Bon, ben je vais vous parler de climat aujourd'hui, puisque c'est quand même le sujet du moment, j'espère de plus que cette semaine. Donc, je vais vous parler de climat et d'innovation verte. Et alors, évidemment, on a tous eu affaire à cette... c'est pas terminé. Une des idées avancées à l'occasion du débat présidentiel par certains candidats, c'est celle de la décroissance, autrement dit d'une contraction de l'activité économique et de la consommation comme meilleure réponse aux défis climatiques. Alors c'est vrai que ils peuvent, disons qu'un argument naïf, ça serait une vision naïve de l'histoire, c'est de dire effectivement jusqu'au début du 19e siècle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est demeurée stable et inférieure à 280 ppm. Le ppm est une mesure de concentration utilisée pour calculer le taux de pollution dans l'air. Elle permet de savoir combien de molécules de polluants, ici le dioxyde de carbone, se trouve dans un million de molécules d'air. Cependant, le décollage industriel, qui a commencé, on l'a vu, 1820, et l'exploitation massive du charbon qui s'en est suivie, ont déstabilisé cet équilibre. De 280 ppm au début du 19e siècle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter pour atteindre 410 ppm en 2018. Effectivement, quand vous regardez cette... Donc là, c'est le GIEC. Quand vous regardez... Vous voyez l'augmentation, il y a à peu près une stabilité en termes de ppm, et puis tout d'un coup, là c'est la température en fait qui est reconstruite, à partir du ppm on reconstruit la température, et vous voyez que la température elle est assez stable, et puis que ça augmente exactement au moment où se produit le décollage industriel. Donc vous voyez, une vision naïve de cette histoire économique dirait, ils ont raison les partisans de la décroissance, puisque vous voyez qu'il y a une coïncidence entre le décollage industriel et le décollage de la température. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà ce qu'on a observé, et voilà, changement de température de surface mondiale observé et simulé. Et là, c'est le counterfactuel, c'est ce qui serait passé, ou plutôt rien, il ne serait rien passé, s'il n'y avait pas eu la révolution industrielle. Voilà, donc si vous voulez une lecture naïve de cette histoire économique des deux siècles passés, ont l'air de donner raison aux partisans de la décroissance. Et finalement, remontons les montres, quoi. Et alors là, c'est intéressant, ça vous donne aussi l'évolution des émissions de CO2. Alors c'est une période plus récente, et ce qui leur donne également raison, c'est qu'effectivement, vous avez le décollage de la Chine, et le décollage indien, donc Chine en jaune et Inde en bleu foncé, et vous voyez également la coïncidence, évidemment, et il décolle et il pollue plus. Alors en France, c'est intéressant, c'est une figure intéressante, c'est l'évolution de la température moyenne annuelle en France depuis 1900, et vous voyez que donc ça c'est les années, donc vous êtes au-dessus de la moyenne en rouge et vous êtes en dessous en bleu, et vous voyez que depuis 90, on n'a jamais d'année où on est en bleu. Hein, d'accord. Donc il y a une accélération depuis 90, intéressant. Voilà, alors évidemment il y a aussi l'idée que l'empreinte carbone, il faut prendre en compte les émissions importées, il faut, parce que vous pouvez tout à fait dire, voilà, moi je ne produis pas chez moi, mais j'importe des biens qui eux polluent. Et donc, par exemple, la France, comme vous le savez, a fait beaucoup de délocalisation, de outsourcing, mais la pollution se fait ailleurs, hein, en partie. Enfin, c'est un peu chez nous, mais beaucoup ailleurs, en fait. Voilà. Et donc, évidemment, vous n'avez pas les mêmes chiffres quand vous prenez en compte les émissions importées ou pas. D'accord ? Et d'ailleurs, vous voyez, depuis 1995, ça reflète l'augmentation de la délocalisation, c'est-à-dire que la fraction importée, évidemment, de plus en plus importante. Plus grande que maintenant que la fraction non importée. D'accord. Alors maintenant, contre la décroissance, je pense qu'il y a, il y a différents arguments. L'argument qu'on aime bien, moi et d'autres collègues qui sont présents, c'est de dire finalement, regardez, on a eu une expérience naturelle. Ça a été le premier confinement de mars à juin 2020. Le PIB français a baissé de près de 35% et nos émissions de CO2 ont baissé de 8%. Et en fait, les partisans de la décroissance aimeraient qu'on soit en permanence en premier confinement, quoi. Mais les dégâts ont été terribles. Enfin, je veux dire, que ce soit parmi la jeunesse, je sais pas, il y a eu des sondages et des enquêtes qui montrent qu'une fraction très importante de notre jeunesse
a eu des problèmes psychologiques, quoi. Et puis, pour les pays en développement, le confinement, ça a été dramatique. C'est-à-dire, ça a causé, il y a eu beaucoup de, comme j'ai dit, de décès dans les pays en développement, pas directement à cause du Covid, mais indirectement à cause du ralentissement économique. Donc voilà, c'est, en gros, ce que proposent les partisans de la décroissance, c'est de se mettre de manière permanente en premier confinement, quoi. D'accord ? Donc, évidemment, l'alternative, c'est de dire, ça, c'est une façon malthusienne de raisonner, et en fait, la façon non malthusienne, c'est de dire, on est dans un monde où il y a de l'innovation, et l'innovation recule les limites du possible. Alors, elle n'est pas spontanément verte, et la question, c'est de savoir comment je peux agir, comment l'État, comment la société civile, notamment, peuvent agir pour diriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes. Voilà, et donc, je passe maintenant à cette partie-là. C'est la petite introduction, hein. Donc, quels sont les leviers de l'innovation verte, d'accord ? Comment inciter les entreprises à produire et innover dans les technologies vertes ? Okay ? Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, de manière intéressante, les modèles économiques, les premiers modèles économiques, ceux qui ont sous-tendu le rapport Stern, notamment, et d'autres, étaient des modèles de croissance sans innovation. Et la manière dont ça fonctionnait, c'est vous dites, voilà, il y a des entreprises qui produisent, alors elles peuvent avoir des externalités technologiques positives entre elles, parce qu'elles échangent du savoir, mais elles ont une externalité négative, parce qu'en produisant, elles contribuent à augmenter la température, à détruire l'environnement, et la destruction de l'environnement, lui, a un effet négatif sur la production de tout le monde. Donc, en général, ce qu'il faisait, c'est qu'il représentait un modèle de croissance, mais vieille mode, avec agents représentatifs, hein, donc sans les hétérogénéités dont j'ai parlé la dernière fois, un modèle de croissance par accumulation de capital, en gros, et chaque entreprise, en accumulant du capital et en produisant, elle contribue à la détérioration globale de l'environnement, qui, elle, a un effet négatif sur la production de tout le monde. Voilà. Et ils essayent, dans un modèle comme ça, de dire, voilà, est-ce qu'il faut agir maintenant, est-ce qu'il faut agir plus tard, etc. Et essentiellement, le débat est essentiellement entre Nordhaus et Stern. Et Nordhaus, ce qu'il dit, c'est que, évidemment, il faut agir, mais il ne faut pas faire porter tout le poids sur les générations présentes. Il faut faire porter le poids de manière équilibrée sur les générations présentes et les générations futures. Et Nordhaus donne beaucoup de poids aux générations présentes. Voilà, il a un taux, ce qu'on appelle un taux d'escompte. Demain vaut une certaine quantité d'aujourd'hui. C'est avec les taux d'intérêt, vous escomptez. C'est une manière de faire un équivalent entre aujourd'hui et demain. L'équivalent que fait Nordhaus entre aujourd'hui et demain n'est pas le même que l'équivalent que fait Stern entre aujourd'hui et demain. Stern donne plus de poids aux générations futures. Et donc, Stern dit, comme moi, je me soucie davantage des générations futures, je dois faire payer un peu plus les générations présentes. Il y a un coût maintenant, mais ça va profiter beaucoup aux générations futures. Nordhaus, c'est plus, je dois surtout, voilà, je dois être beaucoup plus progressif dans mon approche et ne pas faire tout porter aux générations présentes. Donc, Nordhaus, Stern préconise, disons, un Big Bang, d'agir beaucoup maintenant. Et Nordhaus préconise d'agir de manière plus graduelle parce qu'il se soucie du coût que vous faites porter aux générations présentes. En gros, mais tout le débat entre eux porte sur le fameux taux d'escompte. Quel poids je donne aux générations présentes par rapport aux générations futures ? Et tous ces modèles prennent la technologie comme donnée. Et en fait, l'approche moderne, et tout porte sur la taxe carbone. En gros, c'est je dois faire une taxe carbone. Est-ce que j'augmente tout de suite beaucoup la taxe carbone ou est-ce que je l'augmente graduellement, etc. Et le débat, donc, c'est un instrument, taxe carbone, et c'est uniquement la discussion sur est-ce que toi, tu escomptes plus, est-ce que moi, j'escompte moins. Et ça, c'est le débat Stern-Nordhaus, okay, essentiellement. Et si vous voulez, avec mes copains, ce qu'on a fait depuis... On a commencé à travailler là-dessus en 2009, en fait, maintenant, ça commence à faire pas mal de temps, 12 ans. Eh bien, l'idée de dire, ben non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut endogénéiser le progrès technique dans ces modèles-là, et donc endogénéiser l'innovation. Et qu'est-ce qui se passe dans ces modèles quand l'innovation n'est pas le progrès technique n'est pas une donnée, mais qu'elle découle de décisions des acteurs eux-mêmes, sur lesquels on peut agir. Voilà, d'accord ? Donc... Alors, je vais parler un peu du cadre de base, ensuite je vais parler de l'empirique, ensuite je vais parler de transition énergétique quand on a des sources intermédiaires d'énergie qui sont ni moins polluantes que le charbon, mais plus polluantes que les énergies renouvelables, d'accord ? Ensuite, je parlerai un peu du rôle de la société civile, et puis je parlerai un petit peu de qu'est-ce que c'est, la composition de l'économie entre secteur industriel et secteur de services, en quoi ça peut avoir une incidence sur le climat, d'accord ? Donc, je vais aller tout doucement.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en l'absence de dans un monde où le progrès technique est donné et ne dépend pas de décisions des acteurs économiques, il y avait l'idée, donc, l'approche Nordhaus, l'intervention doit être limitée et graduelle, d'accord. Et puis, chez Stern et Al Gore aussi, l'intervention doit être très, très importante, de grande ampleur et immédiate, et maintenue de très longtemps. Voilà, donc... Et si vous voulez, pour Nordhaus, c'est pas très grave les coûts en termes de croissance. On sait que quand on met une taxe carbone, on ralentit la croissance. Pour Nordhaus, c'est pas un gros problème parce que de toute façon, le futur, je m'en moque un peu. Et pour Stern, c'est plus un problème puisque je m'intéresse beaucoup aux générations futures. Mais en gros, le débat Stern-Nordhaus, c'était autour de ça. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc avec mes petits copains, souvent ces noms-là. Hein, et donc, nous, ce que nous avons fait, c'est de dire, ben, nous allons endogénéiser le progrès technique. Et on va se rendre compte que dès qu'on endogénéise le progrès technique et la direction du progrès technique, c'est-à-dire est-ce que je vais vers des technologies propres ou des technologies polluantes, et que j'endogénéise ce choix, eh bien à ce moment-là, ça rebat les cartes énormément. Et je vais vous montrer comment. Donc d'abord, d'abord ça va montrer que ça nous oblige à repenser le débat sur est-ce qu'il faut agir maintenant ou plus tard. Et même avec les taux d'escompte de Nordhaus, on va vouloir agir tout de suite. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc déjà, Stern est très content, parce que je peux dire à Stern, c'est toi qui as raison, parce que même si on suppose les taux d'escompte de Nordhaus, dans le monde que je vais décrire maintenant, on veut agir tout de suite. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'ils veulent. D'accord ? La deuxième chose, c'est que, comme j'ai à la fois des externalités environnementales et des externalités technologiques, et vous verrez, je vais être un peu plus précis dans un moment, eh bien, ça ne suffit pas d'avoir un seul instrument. On en veut plusieurs. Et on veut certainement, au minimum, taxe carbone et subvention à l'innovation verte, quoi. Et on a besoin des deux. Et c'est très important ça, parce qu'on a eu une discussion, je vous en parlerai à nouveau, dans le cadre du rapport Blanchard-Tirole. J'ai eu le privilège de faire partie de la commission Blanchard-Tirole. Et disons que les personnes en charge du chapitre sur le climat, au début, ils étaient taxe carbone à 95%, quoi. Et avec Nick Stern, on l'a dit, non, il faut rééquilibrer. Ça ne peut pas être entièrement taxe carbone. C'est aussi important, la politique industrielle verte, le soutien à l'innovation, que la taxe carbone elle-même. Donc c'est important. Ça c'est la dernière. Et puis il y a l'idée que peut-être on n'a pas besoin de soutenir ces politiques pour toujours. Peut-être qu'à un moment donné, les forces du marché reprennent le relais. Donc c'est tout le débat sur l'économie mixte. Où est l'intervention de l'État et dans quelle mesure le marché peut prendre le relais de l'intervention de l'État. Donc quel est le rôle du privé et le rôle du public dans cette affaire-là. Donc où est l'économie mixte dans cette affaire-là. D'accord. Voilà, alors je vais vous dire, voilà, en gros, qu'est-ce que c'est? On est dans un monde, je vais écrire, mais c'est des formules mathématiques, ne faites pas attention aux maths, j'écris comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. En gros, je produis du bien de consommation, hein, et que j'appelle Y, et je le produis avec des inputs, un input YC pour clean, et YD pour sale, d'accord. Donc je produis du bien de consommation avec un input propre et un input pas propre, d'accord. Et l'input pas propre, alors ça peut être de l'énergie propre et pas propre. L'input pas propre, il va contribuer à la pollution. Il va détériorer l'environnement. Et on ne veut pas que ça détériore trop l'environnement, parce que ça peut même créer des catastrophes environnementales. Tandis qu'évidemment, l'input propre, par définition, lui ne détériore pas l'environnement, d'accord. Donc ça, c'est la première chose, d'accord. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun de ces inputs, propres ou sales, est produit avec des machines, et je peux décider d'innover dans les machines qui produisent l'un ou l'autre. Donc je peux décider d'innover dans des machines qui produisent l'input propre ou dans des machines qui produisent l'input sale, d'accord. Alors, donc ça, c'est les entreprises qui décident. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc, évidemment, les incitations des entreprises vont dépendre aussi de ce que l'État peut faire. Mais pour le moment, je vais regarder une économie où l'État n'est pas là. Je vais considérer ce que j'appelle une économie en laisser-faire. D'accord. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Alors, c'est une hypothèse dans notre modèle, mais c'est un fait empirique, et je vais vous le montrer tout à l'heure.
c'est que, en fait, eh bien, si les entreprises ont pris l'habitude dans le passé d'innover essentiellement dans des technologies qui produisent le YD, dans des machines qui produisent le YD, elles vont continuer dans le futur à faire pareil. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dépendance au sentier. Dépendance au sentier. Et en anglais, on appelle ça path dependence. C'est-à-dire que, et c'est là les limites du laisser-faire. Vous voyez, souvent on dit laisser les entreprises faire. Non, voilà, là, ça ne le fait pas. Parce que les entreprises, et ça, je, alors maintenant vous pouvez dire, mais ce n'est pas évident que ça devrait fonctionner de cette manière-là. Vous pourriez imaginer que, par exemple, on est dans un monde où on a des rendements décroissants. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup innové dans le passé dans des technologies sales, à un moment donné, je m'essouffle. Et tout d'un coup, je me dis, bah maintenant, je ne sais plus, j'ai fait tout ce que je pouvais faire sur les technologies polluantes, et maintenant, j'ai plutôt intérêt à moi-même aller vers les technologies polluantes. Ben non, ce n'est pas ça qui se passe, et je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, je vais tout à l'heure vous montrer empiriquement pourquoi ce n'est pas vrai. Parce que ça, c'est une hypothèse. Vous pourriez dire, moi, votre hypothèse, je ne l'achète pas. Si on était dans un monde où, à un moment donné, l'entreprise s'essouffle sur les technologies sales et tout d'un coup, il n'y a plus rien à faire là-dedans, moi, je vais aller immédiatement, moi, de moi-même, vers les technologies propres, à ce moment-là, on peut même se passer peut-être d'intervention de l'État. Les incitations privées font tout le travail. D'accord ? Mais on va voir que ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, il y a cette dépendance au sentier. Donc, vous êtes dans un monde où vous avez un bien de consommation produit par un input propre, un input sale. Les entreprises peuvent innover soit dans la production des machines qui produisent l'input propre ou dans la production des machines qui produisent l'input sale. D'accord ? Et elles sont rémunérées par ce secteur qui produit YC, YD, qui lui-même est rémunéré par le secteur des biens de consommation. D'accord ? Et à ce moment-là, ça justifie l'intervention gouvernementale. Quand vous êtes dans un monde où vous avez la dépendance au sentier, eh bien, ça justifie... parce que supposez la chose suivante. Supposez qu'au temps zéro, hein, vous avez la technologie, je vais donner un nom à la productivité moyenne des machines qui produisent l'input D. Supposons qu'au temps zéro, hein, j'appelle ça temps zéro, temps initial, eh bien, vous avez... La productivité des machines qui produisent l'input sale est bien supérieure en moyenne à la technologie des machines qui produisent l'économie soit bien meilleure dans la technologie des machines sales que celle des machines propres. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on est dans un monde où les entreprises sont bien meilleures à innover dans le YD que dans le YC. Et donc, en l'absence d'intervention de l'État, eh bien, toutes les entreprises vont innover uniquement sur la technologie des machines qui produisent du sale, ce qui va dire que, a fortiori, vous allez avoir au temps T égale 1, demain, quoi. Ça c'est aujourd'hui, ben demain, eh bien, ça sera plus grand. Vous voyez, tout le monde va innover, voilà, qui est toujours plus grand que, alors que personne va innover dans les technologies propres. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que comme on va, si on est dans ce cas-là et qu'il y a la dépendance au sentier, ben, en laisser faire, les entreprises vont innover uniquement sur les machines qui produisent des technologies propres, ce qui veut dire que la productivité moyenne de ces machines, elle va s'améliorer, tandis que celle des machines propres ne va pas s'améliorer d'un iota. Et ça veut dire que déjà là, vous étiez plus grand que ça, et bien a fortiori, demain, vous êtes encore plus grand. Et donc, en temps 1, rebelote, les entreprises livrées elles-mêmes vont innover uniquement sur les machines qui produisent le YD, et donc, vous aurez un AC dT égale 2. Oups, là, désolé, Élie, c'était pas du tout voulu. ça va pas, là, si je commence à lancer des craies à mes copains, ça, c'est pas bien. Et bien, vous voyez, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, tu vois, je veux dire, continuellement, eh bien, l'économie livrée à elle-même ne va innover que dans les technologies sales. Et donc, ça va augmenter la pollution.
sans limite, et à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle un désastre environnemental. Et quand vous êtes dans un monde où, initialement, on est meilleur, et je vais vous montrer l'évidence empirique, qu'on est meilleur en termes de production de brevets, etc., dans les technologies sales que les technologies propres, et dans un monde où il y a la dépendance aux sentiers, et je vais vous montrer empiriquement, dans un moment, qu'on a la dépendance aux sentiers, en l'absence d'intervention de l'État, eh bien, nous sommes condamnés au désastre. Donc, il faut que l'État intervienne pour rediriger le changement technique des technologies sales et des technologies propres. C'est-à-dire, comment elle va le faire ? En taxant l'innovation sur les technologies sales et ou en subventionnant l'innovation sur les technologies propres. D'accord ? Et on voit le rôle de l'intervention de l'État. D'accord ? Vous voyez comme quoi c'est... Souvent, les gens pensent que l'innovation, il faut laisser les entreprises tranquilles qu'elles innovent, et l'État, simplement, il faut de la police et de la justice, et puis c'est tout, quoi. Ben, vous voyez, là, c'est pas vrai. Ce raisonnement ne fonctionne pas. Vous voyez, le régalien, vous savez, il y a tout le raisonnement de l'État minimum, que l'État devrait jamais se mêler d'économie, et que l'État devrait s'occuper que de law and order, mais ça suffit pas. Le law and order, ça vous résout pas ce problème. Hein, d'accord ? Voilà. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que... dans ce raisonnement-là, donc là, c'est ce que je dis, donc l'économie, rapidement, va aller dans un désastre, va courir au désastre si en l'absence d'intervention de l'État. D'accord ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup... ces ingrédients-là, ça a des implications très intéressantes. La première implication, c'est que même avec le taux d'escompte de Nordhaus, on veut agir tout de suite. Pourquoi ? Parce que si je n'agis pas tout de suite, c'est le problème du dentiste. Vous voyez, quand j'ai une petite carie, moi, dès que j'ai un problème, j'appelle mon médecin, mon dentiste, je me dis, sinon, ça va s'aggraver. Alors, parce que l'idée est la suivante. Si j'attends, vous voyez, par exemple, ici, je devrais immédiatement intervenir pour rediriger le changement technique vers les technologies propres. Si j'attends, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir innovation sur les technologies polluantes, rien sur les technologies propres. Donc, la différence entre le AD et le AC va augmenter encore, et ce qui veut dire qu'il va falloir intervenir plus longtemps plus tard pour ramener le AC au niveau du AD. Parce que ce qu'on veut, en gros, c'est intervenir, faire que les firmes innovent sur les technologies propres pour que le AC rattrape le AD. Et une fois que le AC a rattrapé le AD, je peux m'arrêter d'intervenir. Parce que à ce moment-là, d'elles-mêmes, les entreprises seront meilleures à innover dans le propre qu'à innover dans le sale. Mais le tout, c'est que le plus j'attends, plus ça va être douloureux. Parce que pendant les périodes, j'ai Jean-Pierre qui est là, d'accord ? Jean-Pierre, il est très bon à tout, mais c'est bon qu'il soit meilleur à certaines choses qu'à d'autres. Si je force Jean-Pierre à ne pas faire ce à quoi il est, dans quoi il est meilleur, mais à faire autre chose, pendant ce temps-là, la croissance, elle est réduite par rapport à ce qu'il y avait avant. Si j'attends pour intervenir, c'est-à-dire que je vais devoir obliger Jean-Pierre à ne pas faire ce à quoi il est le meilleur pendant plus longtemps, et de manière plus forte. Et donc, je vais accroître le coût de la transition. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si j'attends, c'est comme d'aller chez le dentiste. Si vous allez chez le dentiste tout de suite, eh bien, la carie est petite. Si vous attendez, la carie grandit, et du coup, il faut que le dentiste passe plus de temps sur la carie. C'est vraiment le syndrome de la carie et du dentiste. Et ça, c'est même vrai, même avec des taux d'escompte de Nordhaus. Même avec des taux d'escompte de Nordhaus, on veut agir maintenant. Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est que maintenant, le débat Nordhaus-Stern, il vole en éclats, quoi. Nordhaus, c'est fini, je veux dire, c'est terminé. Même avec ces taux d'escompte, dans un monde comme celui-là, on veut intervenir très rapidement. Parce que non seulement on pollue moins, mais on réduit les coûts de rediriger le changement technique vers les technologies propres, les coûts d'éviter le désastre environnemental. D'accord ? Donc ça, c'est la première conséquence d'avoir endogénéisé le progrès technique et d'avoir endogénéisé le choix des entreprises entre innover propre et innover sale, c'est qu'on veut intervenir maintenant, même avec des taux d'escompte de Nordhaus. Et là, par exemple, on voit, on a fait des simulations, vous voyez, le taux de 1,5, c'est le taux de Nordhaus. Et le taux d'escompte de 1, c'est celui, mais dans les deux cas, on a des coûts, on perd à retarder, quoi. Alors, on perd un peu moins avec les taux d'escompte de Nordhaus, mais on perd quand même suffisamment pour que ça justifie d'intervenir maintenant. Donc, le taux d'escompte à droite, c'est celui de Nordhaus, celui à gauche, c'est Nixtern.
Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si vous intervenez maintenant, la croissance, elle est réduite au début, mais elle augmente plus tard. Quoi. Vous voyez, je réduis le taux de croissance, non, mais j'augmente la output plus tard. OK. Par rapport à ne pas agir, pourquoi pas attendre. Donc, si j'attends, si j'agis maintenant, c'est ça, je suis, j'ai moins maintenant, mais j'ai plus après. D'accord ? C'est la consommation, en fait, que je représente ici. Très bien. La deuxième implication, c'est qu'en fait, vous savez, ça, je vous l'ai déjà dit dans le cours et même des années précédentes, en économie publique, quand il y a plus qu'une externalité, il faut en général plus qu'un instrument pour traiter ça. Alors, une externalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, par exemple, je produis ou j'innove et ça affecte le champ de vos possibles, ça affecte votre utilité, votre production, etc. Ça, on appelle ça des externalités, d'accord? Direct, quoi. Voilà. Hein. Si, par exemple, moi, je pêche dans un lac, mettons la Manche hein, aussi, parce que c'est d'actualité également. Si je pêche tout le poisson, il y en a moins pour le voisin, etc. D'accord? Ça s'appelle une externalité, ça. Mais dans le cadre que je décris maintenant, il y a deux externalités. Dans le monde nord-austerne initial, il n'y avait qu'une externalité, qui était l'externalité de pollution. Je pollue beaucoup, donc je réduis l'utilité ou la production. Mais ici, j'ai deux externalités. J'ai une externalité de pollution et une environnementale, mais j'ai une externalité également j'ai une externalité technologique. Et qu'est-ce que c'est l'externalité technologique? C'est que si j'innove davantage dans les technologies propres aujourd'hui, ça va affecter mon incitation à moi et à d'autres d'innover dans des technologies propres demain. Et ça, c'est une externalité technologique. Donc, je suis dans un monde maintenant où il y a à la fois l'externalité environnementale, mais il y a l'externalité. Comme j'innove maintenant, ça affecte les incitations que j'ai moi ou d'autres à innover, propre ou sale, dans le futur. Ça, c'est une externalité technologique. Comme il y a deux externalités, il faut deux instruments. Et on peut montrer que la politique optimale, c'est essentiellement deux instruments. Et les deux instruments, par exemple, la taxe carbone et la subvention à l'innovation verte. Et tout de suite, on trouve qu'il faut deux jambes, pas une jambe. Et donc, ça veut dire que tout ce que vous aviez jusque rapport Blanchard-Tirole avant l'intervention qu'on a faite avec Stern et tout, c'est on marche sur une jambe. Alors, il faut marcher au moins sur deux jambes. Et les deux jambes, c'est la taxe ou le prix du carbone, mais c'est la politique industrielle. Bon, je parle beaucoup de politique industrielle. Ici, on a le meilleur expert de chez nous de la politique industrielle est au premier rang, donc je parle avec beaucoup de... très intimidant. Voilà. Très, d'accord. Donc ça, c'est la deuxième conclusion. Et on voit que... Alors, évidemment, vous me direz, mais si on avait utilisé la taxe carbone seulement, on aurait pu tout résoudre. Parce que si je mets une énorme taxe carbone, je vais évidemment réduire la pollution et je vais également rendre non profitable d'innover dans des technologies sales. Donc, la taxe carbone seule peut empêcher le désastre. Seulement, il vous faut mettre une énorme taxe carbone maintenant. Et alors là, vous tapez à fond, vous tapez comme des sourds sur les générations présentes et leur consommation. Tandis que si vous dites, je vais faire un mélange d'une taxe carbone un peu moins énorme, combinée avec une recherche, une subvention à l'innovation verte, eh bien là, j'ai quelque chose qui est plus équilibré entre les générations présentes et les générations futures et qui atteint le même objectif que ce que vous atteindriez en termes de réduction des émissions qu'une grosse, grosse taxe carbone. D'accord ? Donc ça, c'est le... Et on montre qu'en fait, eh bien, si vous avez deux instruments, si vous n'avez qu'un seul instrument au lieu de deux, eh bien, vous perdez, que ce soit le taux d'escompte de Nordhaus ou le taux d'escompte de Stern, vous perdez en bien-être, qu'on mesure en consommation sur le long terme par période, dans les deux cas, d'accord ? Donc, voilà, donc, parce que si on avait un seul instrument, il faudrait une taxe carbone 15 fois plus grande que si on avait deux instruments pendant les 5 premières années et 12 fois plus grand pendant les 5 années suivantes. Il faudrait vraiment une gigantesque taxe carbone. Alors, je passe sur l'économie politique. On a vu une taxe carbone pas trop grosse il y a 3 ans, ce que ça a donné. Et vous imaginez une taxe carbone gigantesque, c'est juste impraticable. D'accord ? Donc, l'idée qu'il faut les deux jambes. D'accord ? Donc, ça paraît évident. Mais vous voyez comment, juste d'avoir mis ça... Je produis avec du YC et du YD, j'ai des machines qui produisent les deux, je peux innover ou dans l'un ou dans l'autre, et j'ai pas la dépendance au sentier, et ça, tout de suite, ça me donne plein de choses. Ça me donne, j'agis maintenant, je veux au moins deux instruments, et la troisième chose que ça vous donne, c'est que, sous des hypothèses raisonnables, eh bien, l'intervention n'a pas besoin d'être permanente, parce qu'une fois que j'ai fait en sorte que les entreprises innovent beaucoup dans les technologies propres, à un moment donné, le AC
va rattraper le AD, et une fois que le AC aura rattrapé le AD, eh bien, d'elles-mêmes, les entreprises, à ce moment-là, la dépendance au sentier va jouer pour moi, pour la société, puisque d'elles-mêmes, à ce moment-là, les entreprises vont innover dans le propre. Et ça, ça montre bien l'économie mixte. On donne des attestations jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, l'économie elle-même fait le tresse du travail, quoi. Et ça, c'est important d'avoir toujours cette vision qu'on est en économie mixte, hein, d'accord ? Moi, j'ai cru dans ma jeunesse que on pouvait jamais, les entreprises ne faisaient jamais rien, que l'État devait tout faire. Non, en fait, on peut agir, voilà, hein, et donc c'est ce qu'on dit là. Une fois que l'intervention du gouvernement a fait en sorte que le AC passe devant le AD, eh bien, les entreprises, spontanément, vont innover dans des technologies propres. Et à ce moment-là, elles vont faire le reste du travail. Vous voyez, donc ça, c'est voilà un peu les choses qui ressortent de cette chose. Alors après, ce qu'on peut faire, une fois qu'on pense dans ces termes, eh bien, on peut penser en termes nord-sud. Puisque là, dans le G20, et puis maintenant Glasgow, il y a du nord-sud, d'accord ? Moi, j'avais commencé à présenter ça à Copenhague, à la COP de Copenhague en 2015. Et supposons maintenant qu'à la fois le Nord et le Sud, alors en fait, puissent produire du bien de consommation en utilisant du YC et du YD, d'accord ? Et supposons, c'est simplificateur, parce qu'il y a des pays que vous jugerez dans le Sud qui sont également très innovants, donc je ne veux pas du tout là-dedans rentrer dans un jugement qui innove et qui innove pas. Supposer que essentiellement les innovations ont lieu dans les pays développés et que elles peuvent être imitées dans les pays moins développés, d'accord ? Alors à ce moment-là, c'est intéressant parce que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, donc c'est le même modèle que tout à l'heure, mais vous le mettez dans un monde Nord-Sud, d'accord ? Alors c'est intéressant parce que le dialogue Nord-Sud, c'est un peu la chose suivante, c'est que les pays du Sud vous disent, mais vous êtes très sympas, vous les pays du Nord, vous nous faites la leçon, mais vous, comme je l'ai montré tout à l'heure, le décollage industriel, c'est ça qui a créé la pollution. Vous, quand vous avez fait votre décollage, c'est ça qui a augmenté la température et les PPM et tout ça, d'accord ? Donc, et vous venez maintenant nous faire la leçon à nous, alors que vous, vous êtes développés, vous nous déniez le droit à nous de nous développer comme vous, vous êtes développés, d'accord ? C'est un vrai débat. Comment tu traites cette question-là, d'accord ? Alors nous, on peut leur dire deux choses. C'est vraiment une discussion Nord-Sud, c'est comme on discute ensemble. On peut leur dire d'abord, le monde est un peu différent, parce que nous n'avions pas de technologie propre à l'époque que nous pouvions imiter, ou dont nous pouvions bénéficier. Alors à ce moment-là, ils vont vous dire, mais donnez-les-nous, on n'a pas les moyens de se les acquérir. Donc il y a tout débat sur rendre disponibles les technologies propres. Par exemple, est-ce que nous, on est prêts à subventionner la construction de centrales nucléaires dans des pays du Sud, ou d'autres technologies ? Donc ça, c'est ce débat-là, d'accord ? Et puis vient un autre débat, évidemment, qui est de dire, eh bien, d'accord, mettons que nous vous donnons ces technologies, mais mettons qu'il y ait quand même encore des pays du Sud qui décident, qui disent, nous, comme vous, dans le Nord, vous décidez d'empêcher les industries polluantes, eh bien, nous allons nous transformer en paradis polluants. Vous savez, de la même manière qu'il y a les paradis fiscaux, on va devenir des paradis polluants. L'Australie a été un peu ça, hein. Il y a eu des moments, voilà, je ne sais pas où ils en sont maintenant, l'Australie, mais c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on devient, nous, des paradis polluants. On accueille les entreprises polluantes chez nous, puisque les Européens n'en veulent plus. Venez produire chez nous, et nous allons tirer parti de la mondialisation pour réimporter les biens dans les pays développés, puisqu'ils ne les font pas chez eux. Donc venez produire chez nous de manière polluante, et puis, grâce à la mondialisation, hop, on met... Alors là, il y a tout le débat, évidemment, sur les taxes carbone aux frontières. Donc c'est-à-dire qu'on voit tout de suite, vous voyez, dès que je mets ce paradigme dans un contexte Nord-Sud, il y a tout le débat sur le transfert des technologies et sur les droits de propriété sur les technologies, qui est un gros débat, les droits de propriété internationaux sur les technologies. Et le deuxième gros débat, c'est est-ce qu'il faut repenser l'OMC ? Est-ce qu'il faut repenser, comment faire la taxe carbone aux frontières ou ne pas la faire ? Comment ne pas l'utiliser comme prétexte pour retomber dans un vrai protectionnisme ? Et comment la doser ? Et est-ce qu'il faut repenser l'OMC, les traités, etc., pour traiter ce problème des paradis de pollution ? Vous voyez, donc tout de suite, vous voyez comment, vous voyez, les débats apparaissent, quoi. Vous voyez, les débats... Donc, par exemple, une version nord-sud du modèle que j'ai là, vous avez le nord et le sud, chacun a du Y produit avec du YC et du YD, le nord innove sur les technologies qui produisent des machines plus performantes pour faire du YC ou du YD, et
Et donc, dans les deux cas, eh bien, le YD contribue à la dégradation de l'environnement, mais là, ça contribue globalement, donc la dégradation de l'environnement global, évidemment, tout s'additionne, c'est le YD des pays développés et le YD des pays non développés, ensemble, qui contribuent à la dégradation, mais il y a également une externalité technologique. Donc, vous voyez, une externalité environnementale à l'échelle mondiale, puisque tout le monde contribue à la détérioration globale de l'environnement, mais il y a aussi une externalité technologique, parce que le Sud peut imiter le Nord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mécanisme vertueux, c'est que si on progresse, nous, beaucoup dans le Nord, sur les voitures électriques ou sur d'autres choses, eh bien, ça devient profitable pour les États du Sud de venir là-dedans, parce que ça devient le truc profitable. Vous voyez, c'est comme passer d'un standard à un autre standard. Donc, il y a d'abord un élément qui peut jouer pour nous, c'est le fait que si on prend suffisamment d'avance dans ces technologies et qu'on rend leur imitation disons possible pour les États du Sud, alors à ce moment-là, on encourage les États du Sud à rentrer dans le train, quoi. On est les leaders et ils deviennent les followers, quoi. On décide que nous on est ceux qui sont les leaders dans ces technologies, et à un moment donné, tout le monde est obligé. Par exemple, si on décide que nous il n'y a plus de voitures diesel et plus de voitures à essence, etc. D'ici quelques années, on se met à fond dans l'électrique. Ben, on oblige tout le monde à un moment donné à passer à l'électrique. Voilà. Mais il y a le problème des paradis de pollution. Et c'est ce problème, c'est là qu'on a besoin. Donc, par exemple, si je n'ai pas... En fait, ici, on regarde comment il faudrait réallouer l'incitation à réallouer l'innovation vers le propre. On voit très bien que si vous voulez, s'il n'y a pas de... En l'absence de mondialisation, eh bien... Vous voyez, de même, les États du Sud, voyez, les pays du Sud vont aller vers les technologies propres parce qu'ils voient que c'est ça qui marche bien et qu'ils veulent être, ils veulent aller là où ils peuvent rattraper nos technologies à nous, quoi, hein, d'accord ? Donc ils vont faire en sorte de former leurs chercheurs pour être capables d'absorber nos technologies propres qui, elles, avancent toujours plus alors que nos technologies polluantes n'avancent pas, d'accord ? Mais le problème, c'est que s'il y a une mondialisation, à ce moment-là, ça va retarder la transition des pays du Sud vers l'innovation verte, parce qu'ils vont vouloir se transformer en paradis polluant. Voyez, donc il y a ces deux effets-là, il y a l'effet, voyez, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que le Nord doit prendre le lead. Je pense que, je ne sais pas ce qui va sortir de Glasgow, mais en tout cas, c'est important que les États-Unis, l'Europe prennent un lead et disent, nous, en tout cas, on va aller très loin dans l'innovation verte, quoi. Je ne sais pas, on va faire des DARPA vertes, faire de la politique industrielle verte, voilà. Et donc, on doit faciliter, à mon avis, la diffusion des technologies vertes. Alors, il y a tout le problème. Comment je facilite l'innovation des végétaux? Là, il y a un grand débat qu'il y avait à propos des vaccins. Vous savez, à propos des vaccins, il y a eu les travaux de Michael Kremer. Michael Kremer a eu le prix Nobel il y a 2 ans, avec Esther Duflo et Abhijit Banerjee. Et Michael avait beaucoup travaillé avec Bill Gates sur la malaria. Et il disait, il y a eu tout le problème de la diffusion des médicaments, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, évidemment, il y avait le problème que d'un côté, il faut récompenser les laboratoires chez nous, parce que sinon, ils n'ont plus d'incitation à innover. Mais en même temps, il faut rendre accessible les médicaments et les vaccins dans les pays du Sud. Comment tu fais ça? Alors là, il y avait l'idée qu'avait Al Gore des fonds souverains, des sovereign wealth funds, des fonds, alors comment je traduirais sovereign wealth fund en français, mais de fonds souverains, mais multinationaux, qui collectivement, le G20 peut faire ça, où il achète des technologies aux inventeurs, il les paye un certain prix pour les diffuser dans les pays. Alors ça, c'est vrai pour les vaccins, mais c'est vrai également pour les technologies vertes, ce qui s'applique à l'un, et Al Gore y avait pensé pour les technologies vertes. Donc voilà, donc il y a tout le débat sur comment faciliter la diffusion des technologies vertes sans décourager ceux qui innovent et qui trouvent ces technologies vertes. Vous voyez, c'est toujours le débat de l'arbitrage entre ne pas décourager l'innovation, donc il faut pouvoir compenser les innovateurs dans le Nord, mais en même temps permettre leur diffusion dans les pays du Sud. Voilà, donc ça, c'est un vrai débat. Et puis, il y a l'autre débat dont je vous parlais, des paradis de pollution. Et là, il y a tout le débat sur comment mettre en place la menace de taxation aux frontières, de taxation carbone aux frontières. Comment le faire d'une manière qu'on ne tombe pas dans le protectionnisme, qu'il faut se limiter à certains inputs. Comment le faire? Là, il y a tout un débat sur comment faire ça, quoi. Et pour ne pas tomber dans le protectionnisme.
Et donc, voilà, voilà, deux débats énormes. Chacun de ces questions-là sont des questions énormes. On pourrait faire des cours entiers sur chacune de ces questions. Mais vous voyez, quand même, c'est un cadre qui est assez sympa, là, vous voyez, parce qu'on a une manière de raisonner où on voit bien les différents instruments, le Nord-Sud, comment le débat peut s'organiser voilà, et se structurer, vous voyez, sur les grandes questions, quoi. Voilà, donc ça peut... En tout cas, c'est ma manière à moi de voir les choses, mais peut-être que maintenant, il y a... Voilà, d'accord. Donc... voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, au total, quand on prend ce cadre, eh bien, j'introduis l'innovation endogène et je dis, ben, dans un monde où les technologies propres et sales, elles émergent, elles sont le résultat d'innovation, de décisions d'innovation des entreprises, eh bien, il faut agir maintenant, même avec les taux d'escompte de Nordhaus, d'accord. Deuxièmement, il faut plus qu'un instrument, de tout refaire reposer sur la taxe carbone, c'est très inefficace, d'accord. Et puis, il faut que les pays développés aient un lead technologique et diffusent leur technologie aux autres pays, quoi. Et donc, moi, je pense beaucoup, moi, mon espoir, c'est que la manière de structurer le débat, même pour le Glasgow, c'est qu'un certain nombre de pays développés disent, nous, en tout cas, on va mettre la gomme, on va pousser comme on a poussé pour les vaccins, quoi. La même chose. Il faut faire sur les technologies vertes ce qu'on a fait. Il faut faire l'équivalent de la BARDA pour les technologies vertes et d'avoir réfléchi à la diffusion de ces technologies et aux taxes carbone aux frontières, puisqu'à partir du moment où nous on devient propre, évidemment on veut pas que la mondialisation, on n'est pas contre la mondialisation, mais on veut pas qu'elle soit un prétexte à des effets pervers comme celui des paradis polluants. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première partie. Je vais prendre un petit peu d'eau et je passe à la partie suivante. Mais je crois que ça peut vous aider à penser, ça donne un cadre, ce qui permet de raisonner, quoi, vous voyez, on peut se mettre à une table de discussion, on dit, bon, voilà, tac, tac, c'est un cadre, hein. Voilà, donc, maintenant, on va passer à l'empirique, parce que finalement, je vous ai dit certaines choses, et vous n'étiez absolument pas obligés de me croire, d'accord. Je vous ai dit que, un, on était meilleur en moyenne dans des technologies sales que les technologies propres, et je vous ai dit qu'il y avait cette dépendance au sentier, bien que, a priori, les choses auraient pu tourner différemment. Alors, comment on a regardé ça? Donc ça, c'est des travaux que j'ai faits avec John Van Rienen, David Emousse, Ralph Martin et Antoine de chez le prêtre. Et donc, nous avons regardé l'industrie automobile. Alors, ce qu'on a fait sur l'industrie automobile, on peut regarder sur d'autres industries. Et on a regardé des données de brevets. Et donc, on a des données de brevets, et c'est surtout, voilà, les données PatStat, les données des différents offices de brevets. On a regardé 80 pays, et on a classé les technologies dans l'industrie automobile entre propres et sales, d'accord. Et donc, en gros, c'est ça, quoi. Alors maintenant, vous pouvez dire, moi, alors donc ça, ce qu'on appelle propre. Alors évidemment, il y a tout le débat que les voitures propres, elles ont beaucoup de composants sales, hein, d'accord. Donc là, on est d'accord. Mais on regarde les technologies elles-mêmes, et donc propulsion électrique, voilà, etc., les circuits, les machins, et puis on va vers les véhicules hybrides, et puis ensuite on regarde les composants, et notamment les moteurs à combustion, d'accord. Donc on va du plus sale au plus propre. Alors après, on peut décider que le propre, c'est juste ce qu'il y a en haut, et puis que tout le reste est sale, ou on peut décider qu'il y a propre, hybride et sale. Donc on a essayé toute une série de classifications. Évidemment, quand vous soumettez un papier à un journal comme le Journal of Political Economy, vous avez évidemment, on vous demande 10 000 choses, le papier fait 150 pages, d'accord. Parce que personne ne lit, évidemment, on ne lit que les 40 premières. Mais ça veut, c'est un peu un truc à la Francis Blanche, je peux le faire, sauf qu'il faut vraiment montrer que vous avez fait. Voilà. Alors, donc on classifie les technologies entre propres, moyennement propres, plus sales, etc. Donc plus sales, c'est tout ce qui est de plus en plus moteur à combustion, plus propre, c'est ce qui est de plus en plus voiture électrique, d'accord. Et on regarde surtout les brevets triadiques, voilà. Et dans mes travaux avec Élie, qui est ici, on s'est aussi beaucoup aux brevets triadiques. Pourquoi les brevets triadiques? C'est censé être des brevets meilleurs, c'est-à-dire c'est des brevets qui sont homologués dans l'office européen, l'office américain et l'office japonais des brevets. Donc en général, les brevets triadiques, c'est les brevets de bonne qualité, quoi. C'est les brevets importants, voilà. Hein, et ça permet d'évacuer les brevets qui ne sont pas terribles. Et nous, on s'intéresse à la période 78-2005, et donc on a pu dire, voilà, il y a eu, dans le secteur automobile, 18 650 brevets triadiques qui seraient des technologies reliées à la moteur à combustion, 6 500
à des technologies qui sont reliées aux véhicules électriques ou hybrides. Et voilà. Et puis, il y a, on peut voir également l'identité de la personne qui obtient le brevet, quoi. Donc, il y en a certains qui candidatent pour le brevet de manière individuelle ou bien au sein d'une firme, où c'est l'entreprise qui contribue. Donc, il y a certains brevets, c'est la firme qui dépose, et d'autres, c'est l'individu qui dépose. D'accord ? Et alors voilà le propre et le sale. Donc je vous disais tout à l'heure le AC et le AD. Alors voilà moi mon AD, et là je le mesure par le nombre de brevets, et voilà mon AC. Donc vous voyez, le AC est en dessous du AD. Alors vous allez me dire, mais ça ne se rattrape pas. Vous voyez, là il baisse un peu, et en fait si j'allais, là ça s'arrêtait à 2005 pour le papier, mais en fait j'ai fait d'autres études, je vais vous montrer tout à l'heure, on peut aller beaucoup plus loin maintenant évidemment, jusqu'à 2015, 2017. Et en fait il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que là ça, les deux courbes se rapprochent un peu. Voilà, d'accord. Mais déjà ça vous montre que quand je vous disais ça, j'étais, voilà, c'est pour, en tout cas pour le secteur automobile, c'était juste, d'accord. Vous voyez, c'est très concret, ces objets-là, vous pouvez les toucher, vous pouvez les mesurer, c'est important. Alors là, je vais vous montrer une équation, mais simplement, je vous dis ce qu'on fait là. C'est-à-dire que, comme on a classifié les brevets, on prend une entreprise I, j'ai une entreprise I, et l'entreprise I, autant T, j'essaie de regarder le nombre de brevets propres. Mais je pourrais regarder le nombre de brevets propres, moins le nombre de brevets sales. C'est la propensité à la propension, on dit plutôt la propensity, ça c'est anglais, la propension à innover propre par rapport à sale, d'accord. Donc ce que je regarde à gauche, c'est ou bien le nombre de brevets propres, mon flux de brevets propres cette année, ou ma propension à innover propre plutôt que sale, d'accord. Et je le fais dépendre de plusieurs choses. L'un, c'est le prix du carbone auquel je fais face moi comme entreprise. Je vais vous dire comment on le construit. La deuxième chose, c'est dans quelle mesure mais les chercheurs qui travaillent pour moi sont eux-mêmes dans des pays où les technologies sales dominent, où les technologies propres dominent, d'accord. Et on essaie de regarder en quelle mesure ils sont exposés, disons, eux, à des brevets propres ou sales. Et alors, le truc très important pour la dépendance au sentier, c'est mon stock de brevets propres et mon stock de brevets polluants. Et je connais l'histoire, parce que pour chaque brevet, je connais le nom de celui qui brevette et je connais son histoire, du coup. Et je peux regarder tout ce qu'il a fait avant. Est-ce qu'il avait des brevets propres ou est-ce qu'il avait des brevets sales, d'accord. Et en fait, moi, quelle est ma prédiction. D'abord, ma prédiction, c'est qu'évidemment, si j'augmente le prix du carbone, je vais quand même décourager l'innovation sale, d'accord. Donc, normalement, ce bêta CP devrait être positif. Plus le prix du carbone est élevé, plus je vais innover propre. Ça veut dire que déjà quand même la taxe. Alors, j'aurais dû mettre innovation, subvention à l'innovation, mais on ne l'a pas mis là. Et l'autre chose, c'est que le bêta C3 devrait être positif, et le bêta C4 devrait être moins positif que le bêta C3, d'accord. Et le contraire pour innovation sale, d'accord. Donc je devrais, voilà, et ça c'est l'effet de dépendance au sentier. Je devrais avoir un bêta C3 plus grand que le bêta C4. Donc voilà, et c'est ça la prédiction, d'accord. Et en fait, c'est ce qu'on obtient. On obtient qu'effectivement, là c'est innovation propre et là c'est innovation sale. Vous voyez que, augmente. Alors comment je calcule le prix auquel moi, individu I, je suis soumis. Moi, producteur I, je suis soumis quand c'est l'automobile. Mais en fait, on le regarde de la manière suivante. C'est-à-dire que moi, mettons que je vends 2/3 de mes voitures aux États-Unis et 1/3 en Allemagne. Eh bien, le prix auquel je suis soumis, c'est 2/3 du prix américain plus 1/3 du prix allemand. Et c'est comme ça que je construis une mesure individuelle. Mais peut-être un autre individu, lui, il vend 1/4 aux États-Unis, la moitié en Allemagne, et puis 1/4 dans un autre pays. Ben, son prix sera calculé comme la moyenne selon que je suis exposé. C'est-à-dire que c'est la moyenne pondérée des prix du carbone dans les différents pays, pondérée par l'importance de ce pays dans mes exportations, dans ma production. D'accord ? Donc c'est comme ça que je construis l'indice de prix du carbone individualisé au niveau I. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, d'abord la première chose, c'est qu'un prix du carbone plus élevé encourage l'innovation propre et décourage l'innovation sale. Donc ça marche, on a des instruments pour encourager, d'accord. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est le stock. Vous voyez que ma propension à innover propre dépend beaucoup de mon stock de propre. Il dépend aussi de mon stock de sale, mais moins, vous voyez. Donc si je devais faire le clean moins le dirty, le propre moins le sale, il dépendrait positivement du stock de brevets propres et négativement du stock de brevets sales, vous voyez. Donc là, c'est la past dependence. Et donc je vous avais dit que je vous montrerais que ça c'est vrai et que ça c'est vrai. Et on voit bien qu'il y a la past dependence. Et on le voit, voilà, enfin, en tout cas pour le secteur automobile, on le voit très bien, d'accord.
Et alors aussi, il y a le fait que si mes chercheurs sont tous dans des pays qui sont, où il y a beaucoup d'innovations propres, eh bien, ça a une influence positive. Ça, c'est des externalités, disons, des chercheurs de là où ils se trouvent, quoi, disons, de la culture des pays dans lesquels ils se trouvent. Donc voilà, donc, vous voyez que c'est intéressant parce qu'on voit bien, que ces hypothèses, ce qui était ici des hypothèses, eh bien, ça correspond à la réalité. D'accord ? Et donc, ce que j'ai raconté tout à l'heure s'applique. C'est quand même toujours important. Vous voyez, l'important, on a besoin de théorie et d'empirique en économie. On ne peut pas juste faire l'un et pas faire l'autre. Enfin, en tout cas, on a aussi besoin de deux jambes. Vous voyez, la jambe empirique et la jambe théorique. Voilà. D'accord ? Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, voilà, on va utiliser les coefficients qu'on obtient dans nos régressions, ce que je vous ai montré dans le tableau, et on va dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait, eh bien, si j'augmente à partir de 2. Alors, on commençait à faire ça en 2005, juste avant 2005. Qu'est-ce qui se passerait si à partir de 2005, eh bien, de manière permanente, j'augmente le prix du carbone, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe si je ne fais rien. Si j'augmente le prix du carbone, le prix de l'essence de 10%, voilà, les courbes se rapprochent un peu, voyez, voilà, hop, 20, 40. Alors évidemment, si je partais de 2005, j'augmentais de 40% le fuel price, à l'heure d'aujourd'hui, le AC aurait rattrapé le AD. Parce que souvenez-vous, ce que je veux, c'est que la courbe AC rattrape la courbe AD. Je veux que le AC passe au AD, parce qu'après, à partir de ce moment-là, en laisser faire, l'économie continue, quoi. Voilà, donc c'est intéressant de voir. Alors, il faut beaucoup, hein. Donc, le tout, c'est qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur l'augmentation du prix du carbone. Mais enfin, ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez raisonner en utilisant ça. Mais là, j'ai fait comme si j'utilisais uniquement le prix du carbone, mais comme je vous l'ai dit, on a d'autres instruments à notre disposition. On a la politique industrielle, et puis on a d'autres instruments que je vais considérer dans un moment. Voilà, donc ça termine. Donc en fait, ce que je retiens de cette seconde partie, c'est que le changement technique, on peut le diriger, on a différents instruments. L'un d'entre eux, c'est le prix du carbone, mais ce n'est pas le seul. On a le phénomène de dépendance au sentier. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'en l'absence d'intervention de l'État, on va dans le mur. La bonne nouvelle, c'est que l'intervention de l'État peut, ou des États, hein, eh bien, peut faire quelque chose, peut nous sortir de l'ornière, voilà. Mais évidemment, si on se repose uniquement sur le prix du carbone, il faut des augmentations exorbitantes du prix du carbone. On a vu déjà ce qui s'est passé. C'était de combien, Élie, l'augmentation du prix du carbone c'était de combien il devait augmenter en 2018 ? 40%. Non, ce n'était pas 40%. Il est passé à 40 €. Ah oui, c'était de aussi gros que ça ? Je pensais que c'était une toute petite augmentation qui avait provoqué les gilets jaunes. Ah oui, je pensais que c'était pas... D'accord. Donc, vous voyez, en tout cas, ce qu'on veut, on ne peut pas se reposer uniquement sur le prix du carbone. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à une troisième partie. Et je veux parler de qu'est-ce qui se passe quand il y a des énergies intermédiaires. Alors, quand il y a des énergies intermédiaires, par exemple, le gaz, aux États-Unis, ça a été le gaz de schiste qui a été l'énergie intermédiaire. Alors, on peut considérer que l'énergie nucléaire est déjà l'énergie qu'on veut. Mais on peut considérer qu'elle est aussi intermédiaire, bien qu'elle soit déjà pas polluante du tout. Donc, par rapport au gaz de schiste, il y a quand même une grosse différence. C'est que le gaz de schiste est polluant, alors que le nucléaire, en termes d'émissions de CO2, ne l'est pas du tout. Mais on peut dire qu'il y a des choses que je n'aime pas et j'aimerais quand même, je ne sais pas, faire des progrès dans la fusion nucléaire, l'hydrogène et avoir d'autres choses que le nucléaire. Voilà. Donc, on a quand même aussi la problématique de la source intermédiaire d'énergie. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que je dois m'intéresser à cette source intermédiaire ou est-ce que je dois l'ignorer ? Et un peu le débat allemand, une des justifications allemandes, mais je ne sais pas si elle a été vraiment mise en avant, je l'ai vue mise en avant par d'autres, mais aussi par des amis allemands, c'est de dire, voyez, nous, l'avantage, je pense que la stratégie allemande n'est pas bonne du tout, et que nous, on a la bonne stratégie en France, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais une des raisons, je ne sais pas, peut-être de mauvaise foi, des justifications données par les Allemands, c'est de dire, voyez, nous, l'avantage, c'est comme on ne prend pas le nucléaire, on a beaucoup plus d'incitations que vous, Français, à aller à innover dans le renouvelable, etc., puisque nous, on doit vraiment se sortir, on a encore du charbon, et on doit vraiment s'en sortir. Tandis que si je mets une source intermédiaire, je fais de la diversion, et donc ça va décourager un peu l'innovation de renouvelable. Alors, je ne sais pas, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça un peu la problématique de la source intermédiaire, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on veut vraiment exploiter une source intermédiaire qui est moins polluante que le charbon, qui est peut-être un peu plus polluante ou moins désirable que ce qu'on voudrait dans le long terme, est-ce qu'on a intérêt à le faire ou pas ? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde aux États-Unis à partir de 2008, vous voyez, ça, c'est la part de l'électricité produite
dans des centrales à charbon ou bien par du gaz naturel, d'accord ? Et vous voyez qu'à partir de 2008, eh bien, la partie charbon décline plus fortement parce qu'ils découvrent le gaz de schiste, quoi. Et ils explorent du gaz de schiste, d'accord ? Donc c'est la révolution du gaz de schiste. Alors je ne rentre pas du tout dans les débats sur les dangers du gaz de schiste en soi, c'est pas, je ne veux pas rentrer dans cette question-là, je n'ai rien à rajouter par rapport aux conversations qui ont lieu sur ce sujet. Donc ça, c'est un travail qui est un papier quasiment terminé, avec les mêmes co-auteurs, pratiquement les mêmes co-auteurs que pour le premier papier, là, d'accord ? Et donc on voudrait dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc en gros, si vous voulez, l'électricité, d'abord, il y a de l'extraction de charbon ou de gaz, etc. Et puis, il y a des centrales. Et les centrales, ensuite, vous donnent, eh bien, vous produisent l'électricité, d'accord ? Donc, et l'innovation peut être notamment sur les centrales elles-mêmes, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, je peux améliorer les centrales qui traitent le charbon, ou je peux améliorer la technologie des centrales qui traitent le gaz, ou etc., d'accord ? Et là, à nouveau, j'ai un problème de diriger l'innovation vers l'un ou vers l'autre, d'accord ? Et alors, il y a d'abord un effet de court terme. L'effet de court terme, c'est que, en fait, eh bien, si je fais abstraction de l'effet sur l'innovation future d'introduire la source d'énergie intermédiaire, eh bien, il y a deux effets qui s'opposent. Si j'introduis du gaz de schiste, comme quand il y a eu le gaz de schiste, il y a eu deux effets. Il y a un effet de substitution et un effet d'échelle. Alors, c'est important parce que ça revient tout le temps dans les débats environnementaux. L'effet de substitution, c'est que, eh bien, si je substitue de l'énergie au charbon par l'énergie au gaz, qui est moins polluante, bah, ça pollue moins, quoi. D'ailleurs, c'est l'effet sympathique. Mais il y a un effet pervers qui était l'effet d'échelle, c'est qu'en introduisant une source supplémentaire d'énergie, vous faites baisser le prix de l'énergie. Et donc, vous encouragez les gens à consommer beaucoup plus d'énergie en général. Et ça, ça va augmenter la pollution. Et le tout est de savoir quel est l'effet qui domine de ces deux effets-là. D'accord ? Vous voyez, c'est là que l'économie... Vous voyez, l'économie, c'est toujours ces trucs-là. Vous voyez, pourquoi c'est important d'apprendre l'économie ou de comprendre l'économie ? Parce que les gens ne voient qu'un effet, mais il y a toujours l'autre effet. Et l'économie, c'est comprendre l'autre effet. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans les programmes du secondaire. On a refait un peu les programmes d'économie SES, quoi. C'est de dire, ce que vous allez apprendre ici, c'est l'effet que vous n'imaginez pas. Mais il y a toujours l'autre effet, l'effet induit. Et vous devez comprendre qu'il y a un effet induit et quelle est l'importance de l'effet induit. Et donc cet effet d'échelle, a priori, il peut être très important, peut être très important. D'accord ? Et en fait, ce qu'on montre, c'est que, eh bien, l'intensité, donc par quantité, disons, d'électricité émise, eh bien, évidemment, je réduis les émissions quand j'autorise le gaz de schiste, mais ça, c'est l'effet de substitution, mais en même temps, la consommation d'énergie augmente. Mais il se trouve que, avec ce qu'on a simulé, c'est ce qu'on voit, pour le moment, l'effet qui a dominé aux États-Unis, ça a été l'effet de substitution. Il a dominé, en tout cas à court terme, l'effet d'échelle. C'est quand même important de savoir ça, il faut quand même le mesurer, l'estimer, parce qu'il n'y a rien d'évident. C'est comme tout à l'heure, je dis, c'est pas évident qu'il y ait dépendance au sentier, peut-être que c'est plutôt l'effet rendement décroissant qui prédomine, d'accord ? Ok, et donc au total, ça a été une bonne chose pour les émissions à court terme. Et on a bien, et on voit ça, regardez l'intensité, elle baisse, et vous voyez, il y a une accélération de la baisse des émissions de CO2 par quantité d'électricité produite avec le gaz de schiste. Vous voyez, depuis 2008, vous voyez, là c'était une pompe très légèrement descendant, et là, vous passez de la piste verte à la piste noire, d'accord ? Ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est que les émissions de CO2, elles-mêmes, ont décru. Vous voyez ? Donc l'effet de substitution l'a emporté sur l'effet d'échelle. Alors ça, c'est à court-moyen terme. On peut dire, mais dans 30 ans, dans 40 ans, etc. D'accord ? Alors maintenant, on arrive aux effets de long terme, et les effets de long terme, c'est de dire, voilà, on regarde l'effet sur l'innovation, parce qu'on sait qu'on peut innover pour améliorer les centrales à charbon, on peut innover pour améliorer les centrales qui fonctionnent au gaz, et puis on peut améliorer les technologies renouvelables, d'accord ? Et donc, en fait, ce qui va se passer, évidemment, c'est que quand vous faites vous introduisez le gaz de schiste ou la source intermédiaire d'énergie, évidemment il y a des chercheurs qui vont aller là-dedans. Donc vous les prenez à la fois parmi les chercheurs qui avant innovaient dans les technologies vraiment les centrales à charbon, et vous en prenez peut-être aussi qui innovaient sur des technologies qui travaillaient sur du renouvelable, sur des chercheurs qui travaillaient sur le renouvelable. Vous voyez ? Et donc la question, c'est de savoir où est-ce que vous en prenez le plus, quoi. Et là, alors effectivement, ce qui s'est passé pour le moment,
c'est qu'aux États-Unis, eh bien, on a vu, disons, la part, disons, le ratio entre les brevets renouvelables sur le total des brevets énergétiques ou, ou les brevets verts sur le, considérés comme verts sur le total, qui a baissé. Donc, effectivement, il y a eu ce problème de diversion de chercheurs vers, vers les technologies intermédiaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut trop. Voyez. Et donc, l'idée, c'est de dire comment je peux contrecarrer, comment je peux traiter ce problème-là. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas. Voilà. Et bien maintenant, je n'avance plus avec ça. C'est marrant. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, mais ce n'est pas grave. Je le fais comme ça. Et vous voyez, ça c'est par exemple, ça c'est le ratio des renouvelables sur ce qui est fossil fuel. Fossil fuel, ça couvre charbon et gaz. Et vous voyez, le renouvelable par rapport au fossil fuel patents baisse. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Ça, c'est l'argument allemand. D'accord? Et on peut montrer qu'en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, avec le Shell Gas Boom, c'est la courbe en bleu, eh bien, ce qui se passe, c'est que le nombre de chercheurs qui vont dans le fossil fuel augmente. Alors, peut-être qu'il finira par baisser, vous voyez, mais en attendant, il a augmenté. Et du coup, à cause de ça, eh ben, les émissions qui baissaient au début peuvent augmenter. Vous voyez, le danger, c'est que vous aviez, à court terme, ce que je vous avais dit, il y avait l'effet d'échelle, mais il était contrecarré par l'effet de substitution. Donc, mais à long terme, parce que vous n'avez pas, diverti des chercheurs, vous avez détourné des chercheurs du renouvelable vers le gaz de schiste, eh bien l'effet de long terme, lui, peut être mauvais. D'accord? Donc en fait, la politique optimale, eh bien c'est de dire, ben, j'introduis la source intermédiaire, mais en même temps, je fais une subvention à l'innovation verte. Et à nouveau, on voit bien qu'on a besoin de cette politique industrielle en même temps. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, c'est très bien d'introduire la source intermédiaire, why not, mais je dois avoir une politique industrielle directe pour inciter à l'innovation verte, en même temps que je fais ça. Quoi. Je ne peux pas juste dire j'introduis le truc intermédiaire. Et là, du coup, vous gardez l'avantage à court et moyen terme et vous corrigez pour les effets secondaires pervers de ce détournement de chercheurs des renouvelables vers les technologies intermédiaires. Mais c'est là toujours que vous avez besoin de la politique industrielle. Ouais, politique industrielle, etc. C'est pas un mot que j'aime beaucoup à Toulouse, la politique industrielle. Mais parce qu'on ne sait pas que ça peut être pro-concurrence. Mais vous le savez, on l'a vu maintenant. On sait qu'on peut réconcilier politique industrielle, politique de la concurrence. Voilà, donc je passe maintenant à la partie suivante, qui est le rôle de la société civile. Alors, souvent, j'aime bien représenter, je veux dire, voilà, pour moi, l'économie de marché qui fonctionne bien, d'abord, je crois dans l'économie de marché parce que je crois dans l'innovation, et qu'on sait que dans les économies qui ne sont pas des économies de marché, bah, l'innovation, ça ne marche pas très bien. Ah oui, alors moi, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ça ne va pas. Mon triangle, je le fais toujours dans le sens inverse, là. Ah là là. Donc, je vais faire mon triangle dans l'autre sens. Voilà. Mon triangle, je le fais comme ça. Voilà. Je mets les entreprises et le marché, si vous voulez, les entreprises, le marché ici. Je mets ici l'État et je mets ici la société civile. D'accord? Alors, on a besoin des entreprises parce que c'est elles qui innovent. D'accord? Donc, c'est important d'avoir les entreprises. On sait maintenant qu'il y a un rôle pour l'État pour rediriger le changement technique. On l'a montré jusqu'à maintenant. D'accord? OK, donc ça, on est convaincu déjà qu'on a besoin au moins de deux côtés du triangle. Et alors, vous allez me dire maintenant, quelle est l'utilité du troisième côté? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces gens-là? Alors, on sait qu'on a besoin de ces gens-là, en général, j'en avais parlé sur la concurrence. Je vous avais déjà dit eh bien, que les entreprises innovent, mais les innovateurs d'hier tendent à se transformer en conglomérats qui font barrage aux nouvelles innovations. Et j'avais dit, un des moyens, c'est l'État. L'État peut arriver et doit, comme régulateur et politique de la concurrence. Mais le problème, c'est que l'État
peut être capturé par les entreprises. D'accord ? Les entreprises en place peuvent acheter, peuvent soudoyer les agents de l'État. D'accord ? Et c'est là, alors, une des réponses est de dire, oui, mais on met Montesquieu dans l'État, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, mais l'État, c'est pas juste l'exécutif, c'est aussi le pouvoir judiciaire, notamment, qui contrôle l'exécutif. Mais il y a des pays où on sait que les constitutions sont des contrats incomplets et qu'il n'y a aucune garantie que ça soit mis en œuvre. Ça peut être légal et pas mis en œuvre. Et c'est là que la société civile est très importante pour garantir que le contrat social est mis en œuvre. D'accord ? Donc ça, on avait déjà vu que si on voulait vraiment garantir, éviter que les entreprises en place n'empêchent l'entrée de nouvelles entreprises, en gros limiter ce qu'on appelle la corruption et le lobbying, c'était important d'avoir non seulement la séparation des pouvoirs, mais également la société civile qui garantit la mise en œuvre de la Constitution comme social contract. D'accord ? Donc ça, on l'a vu à ce moment-là. Maintenant, ce triangle, s'applique également pour l'innovation verte, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises, il y a l'État, mais la société civile peut également jouer un rôle très important. Alors, il y a tout le débat sur la responsabilité sociale d'entreprise, et c'est un débat très intéressant, parce que je me suis retrouvé, moi, dans un débat avec une personne tout à fait louable, qui était un collègue à moi d'ici, du collège, qui se considère beaucoup plus à gauche que moi, parce qu'il y a Milton Friedman, vous voyez. Alors, il y a Milton Friedman, mais avant Friedman, il y avait Pigou. Et en gros, donc Pigou donne Friedman, vous voyez. Donc c'est pas des gens particulièrement, enfin Pigou j'en sais rien, mais Friedman c'était pas l'économiste le plus progressiste. Alors voilà, comment je fais là? Oui, est-ce qu'il y a un petit problème de, est-ce que ça marche? Oui, comment je fais pour que ça reparte? J'étais sûr que j'allais pas vous embêter aujourd'hui. Hein. J'avais vraiment pris les meilleures résolutions, mais là c'est pas le même problème que la dernière fois. C'est ce qu'on appelle. Ah, vous avez fait, ça y est? Vous êtes un magicien. Il a fait, moi j'ai rien vu. C'est arrangé. Ah oui, il est extraordinaire. Hein. Ah oui. Voilà, oh là. Ça, c'est formidable. Alors, c'est un débat très intéressant, le débat de Milton Friedman, parce que, en gros, si vous voulez, voilà, donc Pigou et Friedman. En gros, l'idée, c'est leur vision du monde, c'est de dire les entreprises, elles doivent poursuivre un objectif unique, c'est de maximiser le profit, de maximiser ou la valeur nette présente des profits, la valeur de l'entreprise. C'est tout. Et le reste, c'est à l'État de le faire. Donc, en gros, c'est vrai que les entreprises, elles polluent, donc elles ont des externalités de pollution. C'est vrai peut-être qu'elles peuvent abuser, child labor, travail des enfants, elles peuvent mal se conduire, etc. Mais, finalement, l'État est là pour réguler les entreprises, d'accord ? Donc, ça, c'est la vision Friedman-Pigou. Et c'est très intéressant parce que, donc, en gros, l'idée, c'est de dire, laissez les entreprises tranquilles, c'est-à-dire ne leur demandez pas à elles de décider de poursuivre un autre objectif que la taxation, simplement créer un environnement de régulation. Donc la taxe carbone, ça c'est tout à fait OK pour eux, c'est-à-dire que l'État peut dire moi taxe carbone, réglementation, et sous ces contraintes que vous allez leur donner, les entreprises, elles continuent de maximiser le profit. Ça c'est une vision. Et c'est une vision qui est très influente. Moi je me suis retrouvé donc en débat avec un collègue à moi d'ici, qui prétend être beaucoup plus à gauche que moi, et il était friedmanien. Pourquoi il était friedmanien ? Parce que pour lui, introduire la notion de responsabilité sociale d'entreprise, c'était déresponsabiliser l'État. Tu vois, il y a deux manières de voir. Friedman, il dit simplement n'embêtez pas les entreprises, mais l'autre, c'était ça va déresponsabiliser l'État que vous interveniez. Donc, pas de responsabilité sociale d'entreprise. Tout ça, c'est garbage, quoi. C'est ne faites pas, quoi, parce que vous déresponsabilisez l'État. Donc, c'est très intéressant. Cette vision friedmanienne, elle est très, très répandue, très, très forte, d'accord. Alors maintenant, contre cette vision friedmanienne, eh bien, Benabou Tirol, par exemple, on a un article de discussion qui est très, voilà, que je vous encourage à lire. Je vais le mettre sur le site. Parce que c'est très bien expliqué, ils disent en gros, il y a au moins deux raisons pour lesquelles l'argument friedmanien a des limites. La première limite, c'est que d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État peut être capturé par les entreprises. Et donc, quand vous êtes dans un truc comme ça, ben voilà, là ça ne le fait pas, quoi. Voilà, hein. Donc la première chose, c'est qu'on sait que l'État, voilà, il y a du lobbying et l'État peut être capturé. Donc si c'était un État parfait, neutre, etc., mais l'État n'est pas neutre, d'accord ? Donc premier argument, d'accord ? Le deuxième argument, c'est que le réchauffement climatique est un problème mondial. Et moi, le gouvernement français, j'ai très peu
qu'est-ce que je peux faire pour influencer un gouvernement dans un autre pays? Déjà, sur la pêche, je n'arrive pas. Donc, vous imaginez sur l'environnement, et un voisin. Voyez, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, voyez, donc, parce qu'il y a des pays où peut-être l'État se moque complètement et moi, je n'ai aucune prise. Donc, il y a la dimension internationale du problème, d'accord? Donc, ça, c'est les limites un peu. Voilà au moins deux limites à l'argument friedmanien, d'accord? Et alors, ce que nous avons fait, moi, on a regardé un aspect du problème, mais il y a par exemple des collègues, Oliver Hart, qui a eu le prix Nobel en 2016 avec Bengt Holmström, Oliver Hart et Luigi Zingales. Dans leurs travaux récents, eux, ils regardent, par exemple, le fait que... ils regardent la corporate charter, c'est-à-dire ils disent, voilà, eh ben les actionnaires, peut-être qu'ils s'intéressent aussi à l'environnement et pas uniquement au profit. Et donc, simplement, ils doivent voter et ils votent, quoi. Et selon le vote, eh ben, ce qui est important, c'est qu'ils sont libres de voter sur ce qu'ils veulent. On n'a pas à leur dire sur quoi voter et ils peuvent intégrer les aspects environnementaux. Mais il y a peut-être une manière d'organiser la charte de l'entreprise et les règles de vote pour que ça soit pris en compte, les aspects environnementaux. Donc, eux, ils regardent la corporate social responsibility du côté des actionnaires de l'entreprise, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'ils regardent, eux. Moi, avec mes collègues, et c'est avec Roland Benabou, Alexandra Roulet et Ralph Martin, on a regardé les consommateurs. Voilà, alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que les consommateurs, il y a ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on montre du doigt les entreprises qui ne sont pas vertueuses. Et surtout, il y a le bicorp. Vous savez, on va être bicorp ou pas bicorp. C'est-à-dire qu'on classifie des entreprises très vertueuses, qualifient pour le bicorp. Alors, on regarde ce qu'elles produisent et on regarde leurs inputs. Et si tu produis propre et que, en plus, tu utilises des inputs propres et tu passes un certain nombre de critères, tu rentres dans bicorp, tu es certifié bicorp. Voilà. Et maintenant, tu as beaucoup de consommateurs qui décident d'acheter Bicorp et qui refusent d'acheter des entreprises qui ne sont pas Bicorp. Ça, c'est un truc qui se développe. Donc, c'est la préférence des consommateurs. Ils disent, ben, je vais acheter de la part auprès d'entreprises qui sont vertueuses. Voilà, qui ont et alors là, l'idée la suivante, c'est de dire, si je suis dans un monde où les consommateurs, où tu as beaucoup de consommateurs qui se soucient de l'environnement, eh bien, la concurrence devient elle-même un levier d'innovation verte. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, mettons qu'il y a moi et Élie. Alors, si d'abord, moi, je suis tout seul, je suis le seul producteur, bon, même, les consommateurs, ils se soucient de l'environnement, mais de toute façon, ils sont obligés d'acheter chez moi. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'importance que je sois polluant ou pas polluant. Mais si maintenant, j'ai la concurrence d'Élie, et si moi, je suis... continue d'être polluant, Élie va les attirer, les consommateurs, vers lui en étant plus vertueux que moi. Et donc la concurrence devient un levier d'innovation verte. Et ce qu'on fait dans cette recherche que nous avons faite, c'est que la conjonction de préférence des consommateurs pour l'environnement, elle peut venir de l'éducation, elle peut venir aussi d'avoir eu des mauvaises expériences. Je pense que les gens qui habitent dans le sud de la France ou en Rhénanie, ils n'ont pas besoin de prendre beaucoup de cours des cours à l'école pour comprendre qu'il y a un problème environnemental. Hein, donc, ou les habitants de New York depuis l'automne dernier. Donc, si vous voulez, il y a la conjonction des préférences des consommateurs et de la concurrence, et cette conjonction-là, c'est un instrument qui est très puissant. Voilà. Et je vais donc vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que si je suis en concurrence avec Élie, je vais vouloir innover plus vert pour prendre des consommateurs à Élie. Mais Élie va faire pareil. Lui aussi va vouloir innover plus vert pour prendre des consommateurs de chez moi. Et donc, pour l'émulation entre nous va être une fantastique source d'innovation verte dans un pays où, en général, les consommateurs se soucient du vert. Voilà. Et nous, on essaie de quantifier cet effet. Et c'est un effet formidable, parce qu'il est aussi important qu'une grosse taxe, un carbone taxe. Voilà. Et ça, il n'y a pas de gilet jaune avec ça, vous voyez. C'est gilet jaune free, vous voyez. Enfin, c'est l'avantage, quand même. Hein. Alors, évidemment, la concurrence, à nouveau, il y a l'effet d'échelle, évidemment. Vous voyez, il y a toujours l'effet pervers. C'est là que l'économie, elle est là quand même pour... vous voyez, c'est le raisonnement économique. C'est que, bien sûr, la concurrence, ça peut avoir l'effet que nous dit l'effet de, vous voyez, d'induire l'innovation verte pour échapper à la concurrence avec le rival. Mais il y a un effet direct de la concurrence. C'est que la concurrence, ça fait baisser les prix. Comme ça fait baisser les prix, les gens veulent consommer plus. Et ça tend à augmenter la pollution. Donc, vous avez les deux effets. Vous avez à nouveau l'effet d'échelle qui vous revient, vous voyez. Et on va voir, est-ce qu'il domine, est-ce qu'il ne domine pas. Et donc, c'est toujours ça, l'économie. Hein. Toujours l'effet qui revient par derrière. Mais on montre que, malgré tout,
avec les valeurs de paramètres que nous estimons, eh bien, l'effet d'innovation l'emporte sur l'effet d'échelle. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la préférence des Américains, par exemple, et c'est vrai pendant d'autres pays, pour l'environnement, a décroître. Vous pourriez penser que ça a été en augmentant. Ça augmente à nouveau, mais il y a eu une période de décroissance. Surtout, voilà, il y a des périodes. Il y a notamment 2008, évidemment, a fait décroître fortement parce que 2008, on se soucie surtout de l'emploi. Chaque fois que l'emploi devient la considération dominante, évidemment, ce n'est pas bon pour les préférences pour l'environnement. D'accord ? Donc, en général, c'est en période, voilà. Donc, alors, nous, ce qu'on regarde, c'est les mêmes données. On regarde à nouveau l'automobile et on regarde les mêmes données d'automobile que j'avais regardées tout à l'heure. Mais, évidemment, on les prolonge. On est sur une période qui va jusqu'à beaucoup plus récente, puisqu'on regarde de 98 à 2012, au lieu d'aller à 2005, on peut aller jusqu'à 2012, d'accord ? Et donc, on a évidemment plusieurs choses, parce que d'abord, il faut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire la préférence des consommateurs ? D'où je sais que dans tel ou tel pays, ils ont une préférence pour l'environnement. Alors là, c'est ce qu'on appelle le World Value Survey. C'est un survey et où on demande à des... Donc, survey, ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde, mais c'est quand même des échantillons représentatifs, et on leur pose la question, à quel point vous seriez prêt à payer des prix plus élevés pour protéger l'environnement ? Ou bien est-ce que je suis prêt à sacrifier une partie de mon revenu si je suis certain que l'argent consacré, que je sacrifie sera consacré à empêcher la pollution environnementale. Donc il y a des réponses de « je n'ai pas envie » ou « j'ai très envie », d'accord ? Et donc ça c'est le World Value Survey. Et ça nous donne un peu, et ça permet de comparer d'un pays à l'autre, d'accord ? Voilà, donc on regarde ça, et on sait que, et on a à nouveau que ça a tendu, on regarde différents pays, et ça a tendu à baisser, notamment à cause de la crise, évidemment. Mais on sait de combien ça a baissé en moyenne, depuis, disons, la période 98-2002 et 2008-2012, d'accord ? Alors, du coup, quand je suis une entreprise J, eh bien, je dis, voilà, moi, de la même manière que tout à l'heure, je disais, je suis exposé au prix en disant, je vends trois quarts aux États-Unis, voilà le prix du carbone aux États-Unis, je vends un quart en Allemagne, voilà le prix en Allemagne. De la même manière, je dis, moi, je suis une entreprise J, quelle est ma valeur d'environnement à laquelle je suis exposé ? Ben, je fais la même chose, je sais ce que c'est, je connais les réponses en Allemagne, je connais les réponses aux États-Unis, je sais que pour trois quarts, deux tiers, je suis en Allemagne et un tiers aux États-Unis, donc la valeur à laquelle je suis exposé, c'est un tiers de la valeur américaine plus deux tiers de la valeur allemande. Et ça me donne, moi, en tant qu'entreprise, à quel point je suis exposé aux valeurs, d'accord ? Donc, ça fait une mesure qui est au niveau de l'entreprise, voilà. Et la concurrence, c'est la même chose. J'ai différentes mesures de concurrence. Banque mondiale, OCDE, l'index de Lerner, bon, qui est une mesure très micro de concurrence. En gros, c'est-à-dire que dans les endroits où la rente est très élevée par rapport au chiffre d'affaires, ben la concurrence est faible. Et là où la rente est relativement faible par rapport au chiffre d'affaires, la concurrence est plus élevée. Mais il y a d'autres mesures de régulation. Il y a différentes manières de capturer la concurrence. Et de la même manière, on les connaît pour les pays. Et à nouveau, l'entreprise J, je vends deux tiers en Allemagne et un tiers aux États-Unis. Eh bien, ma mesure à moi, elle est deux tiers la mesure de concurrence allemande plus un tiers la mesure de concurrence américaine. D'accord ? Et donc, et là, on sait que la concurrence, elle a augmenté au cours de la période écoulée. Les valeurs ont diminué, mais la concurrence a augmenté. Et alors, moi, ce que je regarde, mais c'est quasiment ce que j'avais fait tout à l'heure, je regarde la propensité, vous inquiétez pas des LN, c'est des logs, vous en foutez, en gros, ça, c'est la propensité à innover propre. Et maintenant, ce que je mets, c'est de l'entreprise J au temps T, c'est à quel point je suis exposé à des valeurs pro-environnement au temps T, la concurrence moyenne à laquelle je suis exposé, moi, et l'interaction des deux. Et ce qui m'intéresse, c'est l'interaction. Parce que ce que je prévois, moi, c'est que plus je suis exposé à de l'environnemental, plus je vais vouloir, plus la concurrence va me pousser, évidemment. Parce que ça veut dire qu'Élie et moi, plus on a la concurrence entre nous, ben, plus on est concurrent et plus on est confronté à des consommateurs qui sont soucieux de l'environnement, ben, plus nous allons innover vert, d'accord ? Donc, c'est particulièrement ce coefficient-là qui m'intéresse, voyez. Et voilà les résultats. D'abord, les valeurs. Bah évidemment, si je suis davantage exposé à des consommateurs qui veulent l'environnement, je fais de toute manière plus d'innovation verte. Alors, l'innovation verte et pas verte, c'est exactement comme tout à l'heure, les moteurs électriques, les moteurs à combustion, etc. C'est la même mesure d'innovation verte que précédemment, d'accord ?
Et le truc important, c'est que j'ai, avec toutes les mesures de concurrence que je regarde, que ce soit l'indice micro, l'indice Banque mondiale, OCDE, etc., je trouve toujours un effet très important de values avec concurrence. Voyez, c'est très important. Alors on peut dire maintenant, est-ce qu'il est vraiment très important ? Donc d'abord, on voit qu'il va dans le bon sens, d'accord ? L'économie marche, quoi. Les valeurs, c'est bon, et valeur competition, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est... c'est-à-dire, en gros, quand je fais face à des consommateurs qui se soucient d'environnement davantage, eh bien, je veux davantage d'immobilier propre, d'autant plus si j'ai de la concurrence. C'est ça que ça veut dire, d'accord ? D'autant plus si j'ai de la concurrence. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais utiliser ces régressions pour faire deux exercices. Le premier est un exercice rétrospectif. Je considère les deux périodes 98-2002 et 2008-2012. On sait que, en fait, la part des innovations clean dans le total des innovations dans l'automobile a augmenté de 35% entre ces deux périodes, ce qui est quand même sympa, hein. Comment cela peut être réconcilié avec le fait que les valeurs ont diminué, c'est-à-dire que comment je peux réconcilier le fait que, eh bien, il y a eu quand même une augmentation de la part des innovations vertes dans l'automobile, bien que les consommateurs semblent être en moyenne moins pro-vert, voilà. Et eh bien, le fait, c'est que d'abord les attitudes ont évolué très différemment d'un pays à l'autre, et les valeurs ont décliné beaucoup plus pour des entreprises exposées à des bas niveaux de concurrence. Donc ça, c'est intéressant quand même, voyez. Donc là, les entreprises qui ont le plus souffert du déclin des valeurs, c'est celles qui étaient moins soumises à des valeurs de concurrence. Donc en fait, voyez, pour celles qui avaient de la concurrence, ça n'a pas joué, voyez, parce que ça a décru plus dans certains pays que dans d'autres. Et la concurrence est plus importante dans certains pays que dans d'autres. C'est surtout dans les pays à concurrence faible que ça a beaucoup baissé, d'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu, pendant cette période, le fuel price a augmenté, donc ça a évidemment contrecarré. C'est qu'il y a eu l'augmentation du prix du fuel, d'accord. Taxe inclusive, hein, donc taxe compris. Alors ça, c'est la rétrospective. Donc ça, on explique comment, malgré le fait que les valeurs aient baissé un peu partout, ça n'a pas baissé qu'en fait, là, elles n'ont pas baissé partout de la même manière, et que là où elles ont baissé, c'était les pays à concurrence faible, mais en même temps, il y a eu l'augmentation du prix du carbone, taxe comprise. Alors le plus intéressant, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de dire, voilà, supposons que démarrant de 2008-2012, j'augmente la concurrence, je fais deux choses. On sait que la concurrence entre 98-2002, de 98-2002, on sait qu'il y a deux périodes. Vous voyez, je fais ça, hop, on sait qu'il y a deux périodes, vous voyez. Hop, j'arrête. Voilà. Donc, je sais qu'il y a 98-2002, et il y a 2008-2012. Hein. On sait que de cette période à cette période, les valeurs ont baissé, la willingness, hein, la propension à vouloir de l'environnemental. Mais on sait que la concurrence a augmenté. Alors maintenant, moi, je vais faire une expérience. Je vais dire, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je veux regarder qu'est-ce qui se passerait si j'augmentais les valeurs d'autant qu'elles ont baissé depuis là. Et j'augmente la concurrence d'autant qu'elle a augmenté de là à là. Et je fais ces deux choses en même temps. Et ce que je montre, c'est que, en fait, eh bien, faire ces deux choses en même temps, c'est l'équivalent d'une augmentation du prix du carbone de 17% au niveau mondial. C'est énorme, quand même. Tu vois ? Et ça, il n'y a pas de gilet jaune. Tu n'as pas un seul gilet jaune à cause de ça, quoi. C'est gilet jaune free, quoi. D'accord ? 17%. C'est quand même un canal vachement intéressant. Et ça vient de la société civile, ça vient des consommateurs, quoi. Ça vient et de la concurrence, si tu veux, t'as les deux, quoi. T'as l'État qui augmente la concurrence, et tu as le... Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un autre levier, voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents leviers, quoi. Il y a le levier des prix, qui est très important, je vais y revenir. Il y a le levier industriel, qui est un truc très important, mais tu as le levier de la concurrence, de l'éducation des consommateurs, etc., et la société civile, qui est quelque chose de très important. Et je pense que tout doit être mis en œuvre. Moi, je pense qu'on gagne cette guerre si tout est mobilisé, et si le triangle est pleinement mobilisé, et avec tout ce que l'État peut faire, quoi. Voilà. Je crois que l'idée, c'est pas de dire... Parce que je vois beaucoup de gens qui disent « c'est foutu, c'est terminé, on est condamné ». Moi, je crois que l'idée, c'est toujours de dire « faisons le maximum ». Et on dispose de beaucoup d'outils, quoi. D'accord ? Alors, je veux parler de dernière chose,
c'est le changement structurel. Parce qu'il y a un problème qui se pose nord-sud. La Chine et l'Inde. Alors, je vais juste vous montrer quelques diagrammes. Et c'est un truc que je commence en ce moment. C'est une recherche que je démarre. Donc, vous voyez, en général, je n'aime pas montrer des recherches que je démarre. Mais c'est la chose suivante. C'est que la Chine et l'Inde, ce que je vais montrer, nous, on a beaucoup pollué au moment de la révolution industrielle, depuis la révolution industrielle. La Chine et l'Inde aussi contribuent beaucoup. Et le problème, c'est qu'est-ce que vous dites aux pays en Afrique, par exemple, ou à d'autres pays qui, eux, n'ont pas encore fait le décollage? Vous leur dites quoi? Que c'est foutu pour eux, qu'ils ne peuvent pas? Parce que déjà, la Chine et l'Inde, on n'arrive pas à le faire. On arrive à peine à contrôler. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là? D'accord? Et là, c'est une recherche dans laquelle je suis engagé maintenant, qui est balbutiante, hein, avec ses co-auteurs. Voilà. Et on regarde, en fait, la relation entre le... disons, au niveau pays, au niveau counties, comté à l'intérieur des États-Unis ou zone d'emploi ou État américain, de, si vous voulez, la composition des services. Parce que vous savez, il y a quelque chose d'important. Le développement des pays, on a vu au début, donc on était des pays agricoles. Puis on devient des pays qui deviennent essentiellement industriels. Et puis, comme vous le savez, on se désindustrialise et c'est les services qui prennent, le tertiaire qui prend le pas. D'accord ? Mais c'est... Alors évidemment... Je traite comme un tout le service d'une industrie à l'autre, les pollutions sont différentes d'un service à l'autre. Mais en gros, c'est très intéressant parce que, en fait, les services polluent beaucoup moins. Si j'exclus les transports, les services polluent beaucoup moins que l'industrie. C'est pas un scoop, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être il y a un autre levier que je n'ai pas regardé jusqu'à maintenant. C'est de permettre peut-être à certains pays, alors c'est drôle de dire ça quand je propose en France d'industrialiser plus, mais... On propose en France que la part de l'industrie dans le PIB monte à 15 ou 17, et on est à 10. Donc je propose d'industrialiser la France. Mais en même temps, il faut pouvoir permettre à ces pays de pouvoir aller de l'agriculture au service très vite. Et là, il y a un levier que... Et voilà, je vous donne l'idée de base, hein, je vous donne comme ça une idée qu'on est en train de l'explorer, donc c'est une recherche vraiment qu'on est en train de faire. C'est de dire, en gros, on sait qu'il y a une force qui joue pour vous, c'est que quand les ménages deviennent plus aisés, ils tendent à consommer davantage de services. Donc, si un pays s'enrichit, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les ménages vont demander plus de services. Comme ils demandent plus de services, on est dans un monde avec innovation endogène, les entreprises vont vouloir davantage innover dans les services pour servir cette demande. Et ça, c'est peut-être un mécanisme aussi qu'on peut exploiter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on peut exploiter le fait que l'innovation répond à la demande, et la demande est endogène, et la demande n'est pas la même à tous les stades de développement. Plus vous êtes un ménage aisé, plus vous consommez de services. D'accord ? Donc, tout ce qui, évidemment, permet à ces pays de se développer, peut-être le commerce, peut-être d'autres choses, enfin d'autres, eh bien, peut activer ce mécanisme-là. Et donc, maintenant, dans tous les débats sur le protectionnisme ou sur les relations nord-sud, peut-être que c'est un mécanisme à prendre en compte. Alors voilà, ça c'est l'idée qu'on est en train d'explorer. Donc peut-être qu'elle vaut quelque chose, peut-être qu'elle vaut rien. Hein. Mais c'est, disons, c'est relié la pollution et le changement structurel. Voilà, je crois que c'est quelque chose... Parce que ça va être un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer aux pays africains ou à d'autres pays qu'eux, ils n'ont pas le droit de faire comme les Chinois et comme l'Inde ? Est-ce que tu peux leur expliquer ça ? Voilà. Alors on a regardé aux États-Unis, on a fait une régression très bête de... C'est vraiment quand tu démarres une recherche, tu commences par faire une régression pour voir s'il y a quelque chose, s'il y a ce qu'on appelle en anglais du smoking gun, un pistolet avec de la fumée, quoi. Il y a de la fumée qui sort du pistolet. Est-ce que tu regardes les émissions de CO2 en fonction de la part des services dans l'emploi et d'autres variables, voilà, et la part de l'agriculture. Et c'est très intéressant parce que on regarde, ça c'est des régressions d'un pays à l'autre, d'accord, avec des effets fixes de pays, voilà. Et on voit que eh bien, même quand on contrôle pour les effets fixes de pays, c'est-à-dire pour le fait que la France est différente de l'Angleterre, c'est différent de l'Allemagne, etc., hein, quand on contrôle pour ça, même quand on contrôle pour ça, on voit que, eh bien, il y a une corrélation négative entre la part des services dans l'économie et les émissions de CO2. D'accord ? Voilà. Mais ce qu'on a regardé au niveau pays, donc ça c'est là, on le regarde au niveau quanti, vous voyez, et on fait quanti fixed effect, state fixed effect, etc. Et on voit qu'au niveau quanti, c'est vrai pareil. Vous voyez, c'est pareil. Ce qui est vrai d'un pays à l'autre, c'est vrai d'un comté américain à l'autre. Ou c'est vrai également d'une zone d'emploi à l'autre. Vous voyez, voilà, plus la part des services dans la zone d'emploi est importante, moins on pollue. Et on a des élasticités importantes. C'est important, quoi.
voyez, c'est, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas industrialiser, qu'il faut, mais on peut aussi rendre l'industrie plus propre aussi. Vous voyez, on peut industrialiser et en même temps rendre l'industrie plus propre, par exemple par le nucléaire. Je vais y venir dans un moment. Hein. Bon, donc je suis très pro-nucléaire, voilà. Vous sachiez, si vous êtes anti-nucléaire. Voilà. Donc voilà, donc, donc c'est intéressant parce que c'est encore un levier. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne manque pas de leviers et c'est tous des leviers importants. Et je crois qu'il faut être conscient qu'on a ces leviers-là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'un optimisme panglossien. C'est toujours, moi, je crois beaucoup, je suis grabechien, moi. Je crois dans l'optimisme de combat. Mais on ne manque pas d'armes, quoi. On ne manque pas d'instruments pour aller vers de l'environnemental. D'accord ? Donc, je voulais juste vous donner voilà, les leviers. Alors, il me reste quelques minutes. Vous avez une patience formidable. Je vais vous parler un petit peu de la France, de politique en France. Alors, non, je fais échapper. J'ai failli faire une grosse bêtise, mais je ne l'ai pas faite. Il m'a bloqué, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué la touche. J'ai compris pourquoi il m'a dit que ça marche bien. Il a bloqué la fameuse touche, vous savez, qui dé... le bouton nucléaire a été bloqué aujourd'hui. Voilà. Très malin, là. Il est très malin, notre ami. Très malin. Well done. D'accord. OK. Il m'avait dit qu'il avait fait quelque chose. J'ai compris ce qu'il a fait, maintenant. Ah non, alors, attends, je fais ça. Je fais diaporama. Et donc, là, je vais un petit peu, maintenant, parler... de, voilà, un peu de politique, mais vraiment très rapidement, parce que là-dessus, je reprends ce que d'autres ont fait. Hein, donc là, il n'y a rien de moi. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de mes réflexions à moi, mais là, c'est zéro de mes réflexions à moi. C'est purement ailleurs. Hein. Donc j'essaye un peu de vous servir ce que je lis. Quelle politique climatique pour la France ? Alors là, c'est vraiment de la tarte à la crème que je vous donne, hein, maintenant. Bon, la perception du coût de la transition, est-ce que vous percevez que le coût est élevé ou pas, est-ce que vous pensez, vous en général, qu'il faut ou pas, donc voilà, hein. L'équité et justice, stratégie des horizons, tragédie des biens communs et de la concurrence internationale. Alors, perception du coût de la transition, par exemple, il y avait le Haut Conseil pour le climat, a fait une enquête d'où il ressort que 91% des personnes interrogées estimaient qu'il était urgent ou très urgent de lutter contre le changement climatique, c'est intéressant après les Gilets jaunes, hein, quand même. 72% d'entre elles approuvaient l'idée d'appliquer le principe du pollueur-payeur pour taxer les émissions de carbone. alors, il y a... Donc, ça veut dire que... En tout cas, il y a une volonté de le faire. Équité, justice. En Europe, l'élasticité revenue de la demande est inférieure à 1 et les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante pour se chauffer et se déplacer. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte, évidemment. Tragédie des horizons, réduire les émissions aujourd'hui contribue à réduire les dommages à court terme et la plupart des bénéfices sont ressentis dans un avenir lointain. Donc, tu as le problème entre les générations présentes et futures. La tragédie des communs, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, avec le paradis pollution. Hein, la dimension internationale risque de susciter des désaccords quant à ceux qui devraient supporter les coûts et ce que tu peux dire aux pays qui ne peuvent pas se développer, etc. Donc là, je reprends des choses qui, étant donné ce qu'on a vu maintenant, ça doit vous paraître vraiment un peu de la tarte à la crème, hein, je pense. Hein, mais bon. Alors, en gros, si vous voulez, il y a une série de rapports qui sont sur la politique climatique. Il y a dans le rapport Blanchard-Tirole, que je vous recommande, il y a toute la partie Gaulier-Reguin. Gaulier, d'ailleurs, qui est un grand spécialiste de l'environnement, dont on a l'honneur qu'il soit professeur au collège pendant toute l'année qui vient. Et donc, je vous conseille d'aller à ses cours sur le climat. Voilà. Bon, c'est vrai qu'ils sont très taxe carbone, hein, faut bien le dire, et que nous, on s'est bagarré avec Nick Stern pour remettre l'autre jambe de la politique industrielle, mais je crois qu'on y est plus ou moins arrivé par rapport à la première version jusqu'à maintenant. Quand même, c'est plus équilibré. Il y a un rapport CAE, je vous en parle un petit peu. Il y a le rapport réseau de transport électrique dont je vous parlerai, je dirai quelques mots. Et évidemment, les questions, c'est toujours la même chose. On est tous convaincus qu'il faut de la taxe carbone ou du prix du carbone, mais comment et jusqu'où, d'accord ? Ensuite, il y a la politique industrielle et d'innovation, avec qui, comment, etc. D'accord ? Donc ça, tout est à faire là-dedans. Et je veux juste vous donner quelques petits éléments, et je vous lâche dans 5 minutes, hein, dans 5-10 minutes, voilà. Prix du carbone, alors ça, c'est la manière dont les gens, si vous voulez, j'ai un petit peu... la manière dont, dans les rapports, parlent de ça, voilà. Là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé comment moi, je vois les choses, comment... C'était ma vision à moi, d'accord ? Et puis là, maintenant, je vous dis, voilà, comment dans les rapports, c'est présenté, d'accord ? Pour que vous puissiez faire le lien entre ce que vous lisez dans les rapports et puis ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Donc, il parle d'une valeur tutélaire à la tonne de carbone. C'est un prix à donner en moyenne pour atteindre un objectif, par exemple, limité à 2% d'ici 2050. Donc ça, c'est d'abord la quantification, d'accord ? Ensuite, une fois que vous avez quantifié, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Alors, taxe carbone, le système d'échange d'émissions, ETS, Exchange Trade... système, d'accord, acceptabilité, etc.
Alors, le système d'échange d'émissions, qu'est-ce que c'est exactement? Les ETS, c'est simplement pour que vous sachiez un petit peu, c'est un peu c'est, comme il y a du jargon là-dedans, c'est un petit avantage, je vous montre, c'est transparent pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit, quand vous entendez les abréviations. ETS, c'est pour Exchange Trade System, le système d'échange d'émissions. Il est lancé en 2005 dans le cadre de la ratification pour l'Union européenne du protocole de Kyoto, un nombre de quotas d'émissions émis sur le marché, ensuite échangé par les entreprises. Et à terme, l'idée, c'est de faire diminuer les quotas, évidemment, pour que plus personne ne pollue, puisqu'à mesure qu'on passe à des énergies plus propres, on diminue les quotas autorisés. Alors, il y a l'augmentation du prix du carbone. C'est compliqué parce que, d'abord, il y a différents rapports. Et il y a Boiteux, Kiné 1, Kiné 2. Et d'un rapport à l'autre, il y a des estimations différentes du prix tutélaire, mais ce que vous voyez à chaque fois, c'est que c'est dans le temps, elles augmentent toutes. Vous voyez que tous augmentent l'augmentation. Donc, soit celle-là ou les trois, vous voyez une forte augmentation du prix tutélaire par chacun de ces rapports pour 2050, au cours du temps. Donc, vous voyez qu'il faudrait que le prix augmente à chaque fois. Deuxièmement, donc voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que les valeurs tutélaires sont évidemment très très hautes pour être réalistes. Donc, c'est toujours l'idée que si je devais me reposer uniquement sur le prix du carbone, ça serait impossible. Mais le prix d'émission actuel est trop bas pour inciter, disent-ils. D'accord. Donc, voilà le prix courant. Et puis ils disent voilà. Là, vous avez les prix actuels, le prix actuel qui est là. Et voilà ce qu'il devrait le coût d'alternative au carbone dans différents secteurs. C'est le coût d'alternative au carbone, et le coût d'alternative au carbone à chaque fois est beaucoup plus élevé que le prix actuel du carbone. Ça veut dire qu'à chaque fois, donc eux disent qu'il faudrait augmenter le prix du carbone, mais peut-être faut faire autre chose. Ça vous donne un peu une idée de si on voulait faire que par le prix, voilà de combien il faudra augmenter le prix pour décourager. Mais évidemment, l'idée n'est pas de faire en tout par le prix, d'accord. Bon, alors voilà. Donc, si vous voulez, donc qu'il y a un prix unique depuis 2005, la mise en place du système d'échange des quotas. D'accord. La France est déjà plus décarbonée que le reste, donc il y a moins d'effet de ça chez nous qu'ailleurs. Et alors, on peut regarder, différentes personnes ont regardé de manière économétrique l'effet d'une taxe carbone sur l'émission des différents pays européens. Donc là, c'est l'impact sur les émissions de CO2 d'une taxe carbone de 35 ou 70 dollars voilà, par tonne de CO2. En comparaison avec les engagements pris avec les accords de Paris. Donc, vous voyez, accords de Paris partout, mais vous voyez que c'est intéressant, c'est que la France, vous voyez que l'impact chez nous est très faible, vous voyez, puisque nous avons le nucléaire déjà, notamment. Donc, l'impact chez nous est beaucoup moins grand que ce que ça aurait ailleurs. Hein. Il faut bien être conscient de ça, quoi. Voilà. Alors, en gros, je vais pas. Donc, un peu, disons, l'historique sur la taxe carbone chez nous, il y a eu le. Il y a 2007, le Grenelle de l'environnement, une loi votée au Parlement, mais retoquée par le Conseil constitutionnel, mise en place en 2014 sous le gouvernement Valls d'une contribution climat-énergie, enfin, c'est le nom qu'a la taxe carbone. Et puis, il y a le fameux projet de loi de finances 2018, mais évidemment, vous savez comment la suite. Alors, dans ce qui se passe là, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs façons. Alors, d'abord, il y a l'idée de quel est l'objectif du marché de permis, si on veut faire les permis de pollution. Il y a d'abord l'idée d'augmenter la portée sectorielle, la portée géographique, la portée temporelle. Donc, voilà. Donc, on regarde ici, passer d'un mécanisme, sur les quantités uniquement, un mécanisme hybride qui a à la fois coût et quantité. Donc, par exemple, il y a l'idée d'un prix plancher et plafond. Sur les permis, vous voyez. Et l'idée d'une banque centrale indépendante, un peu comme la BCE, qui fixerait le prix du carbone. Voilà. Donc c'est des idées qui, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qui va en sortir. Voilà. Donc ça, c'est les idées qui sont en discussion, d'accord. Alors il y a l'idée d'élargir sectoriellement, il y a l'idée d'élargir géographiquement, faire payer le même prix aux producteurs. Vous voyez qu'aux producteurs locaux pour les produits importés. Il y a évidemment tout le problème de la justice, et le problème de la justice, c'est un problème important parce que, si vous voulez, l'effet de la taxe carbone est différent selon les catégories d'individus, et je crois que c'est ça qui a été vraiment négligé en 2018.
le revenu compte, mais la zone de résidence compte également, évidemment. Et est-ce que vous avez besoin de prendre la voiture ou pas ? Si vous habitez des grandes banlieues, vous pouvez pas, et que vous êtes mal desservi, vous êtes obligé d'utiliser la voiture. Et donc, ça, c'est le travail que cette note de Bureau, Henriet et Kathleen Schubert, qui est une note très jolie pour le Conseil d'analyse économique, qui ont essayé de regarder justement, qui ont essayé de voir tout ce qui est hétérogène, c'est-à-dire les ménages pauvres, les ménages riches, les ménages qui habitent dans les villes, dans les métropoles ou en grande banlieue, etc., de voir en quoi le même prix, la même augmentation de prix implique des choses très différentes d'un groupe à l'autre. Voilà. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'ils regardent comme les déciles dans la distribution des revenus, et puis selon que c'est commune rurale, petite ville, ville moyenne, grande ville, Paris, etc. Et en gros, d'abord, l'élasticité prix de consommation des ménages pour les carburants est assez homogène entre -0,4, -0,6. Elle est faible pour les ménages parisiens les plus aisés, et elle est très forte pour les villes moyennes, notamment les ménages les moins aisés. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et voilà. Donc, alors ensuite, ils regardent, ils disent voilà, moi je voudrais regarder l'impact de la réforme suivante. J'augmente la taxe carbone de son niveau actuel au niveau qu'il était prévu d'atteindre en 2022, et j'accompagne ça d'un rattrapage de la fiscalité sur le gazole de 7,8 centimes par litre, correspondant à la somme des augmentations initialement prévues pour janvier 2019, 2020, 2021. Quels sont les effets ? Alors d'abord, la première chose, c'est que évidemment, voilà la charge additionnelle. Vous voyez, elle est beaucoup plus importante pour les déciles en bas, évidemment. C'est les taux d'effort, vous voyez. C'est ce que ça représente en termes de... C'est le ratio des charges additionnelles sur le revenu disponible. Vous voyez qu'évidemment, que ce soit logement, transport, rattrapage diesel ou transport sans rattrapage diesel, vous voyez que c'est vraiment les foyers les plus bas qui écopent le plus, quoi. Hein, faut bien le dire, hein. Vous voyez, c'est quand même... Ça ne pardonne pas des graphiques comme celui-là. Voilà. Et puis, il y a des effets selon le lieu de vie. Par exemple, même si vous avez la même catégorie de revenus, selon que vous habitez en grande banlieue ou dans une métropole, etc., l'effet va être très différent. Par exemple, plus de 10% des ménages du premier décile ne devraient pas être impactés par la réforme car ils ne consomment pas de carburant et n'utilisent ni gaz ni fuel dans leur logement. Mais pour 10% d'entre eux, les pertes excèdent 220 euros par an et par unité de consommation. Ce qui est énorme pour un ménage du premier décile, vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette hétérogénéité horizontale est également importante à prendre en compte. Voilà. Il y a eu différentes propositions qui sont faites pour traiter ce problème. Notamment, il y a l'idée de chaque logement, par exemple, pour le logement, chaque logement génère en moyenne plus de 3 tonnes de CO2 par an, en particulier à cause du chauffage. Il y a le MaPrimeRénov', et là, donc, c'est des subventions qui permettent de réaliser des économies d'énergie, et je crois que ça a donné des résultats qui sont tout à fait probants. Voilà. Alors, il y a évidemment l'idée aussi de lisser l'impact de la taxe, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où le prix mondial augmente, où le prix mondial diminue. Comment tu fais pour lisser ? Alors, tu as une manière de lisser, c'est de moduler le taux de la taxe perçue en cours d'année, pendant 3 mois maximum, par exemple. Si tu as, par exemple, l'augmentation du prix du baril de plus de 10%, bah, tu dis « je vais réduire le taux de la taxe ». Et puis tu as également un autre mécanisme de couverture aux ménages les plus fragiles du fait de leur revenu et de leur localisation géographique. Tu peux imaginer qu'en échange du paiement d'une prime partiellement payée par l'État, eh bien, l'assureur prend en charge le prix au-delà d'un certain seuil. Et tu peux imaginer ces deux mécanismes en complémentarité qui aident, disons, à s'adapter à la volatilité. Alors, donc ça, c'est tout un peu sur la taxe. Je voulais juste parler très vite de la taxe carbone. De dire, voilà, la taxe, c'est très sympa, mais il faut bien prendre conscience qu'évidemment, les ménages modestes, et surtout dans certaines zones, sont beaucoup plus impactés que d'autres ménages, et donc il faut avoir les mécanismes. Mais je crois que l'autre chose aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile d'imposer une taxe carbone quand vous donnez des alternatives, quand les gens ont la possibilité d'avoir des alternatives. Voilà. Et c'est là que l'investissement devient très important. C'est l'investissement, ce n'est pas juste pour innover plus, c'est aussi pour mettre à disposition des moyens alternatifs. Par exemple, la Commission européenne, en 2018, évaluait qu'entre 175 et 290 milliards d'euros d'investissements supplémentaires seraient nécessaires chaque année en Europe entre 2030 et 2050 pour parvenir à des émissions nettes égales à zéro en 2050. Donc c'est beaucoup d'argent, évidemment. Ça vous donne l'idée des surcoûts d'investissement par secteur, bâtiment, transport, si on veut... atteindre la neutralité carbone en 2050, vous voyez. Donc ça vous donne énergie, agriculture, transport, vous voyez. Donc on doit investir, quoi. Il faut investir.
Et là, alors, il y a le rapport du réseau de transport d'électricité. Donc, je ne suis pas du tout... voilà, en fait, je devrais donner... Élie devrait venir nous présenter ça. Il connaît beaucoup mieux que moi. Moi, je le découvre maintenant. Et il y a eu des scénarios de mix de production d'électricité. Voilà. Alors, différents scénarios. Il y a un scénario purement énergie renouvelable en 2050, un scénario, ce qu'il appelle répartition diffuse sur le territoire, un scénario énergie renouvelable grand parc, énergie renouvelable plus niveau nucléaire 1, énergie renouvelable nouveau nucléaire 2 et énergie renouvelable niveau nucléaire 3. Je vais les détailler. Donc, le premier scénario, c'est donc énergie renouvelable 100% en 2050. M1, je maintiens le parc nucléaire, mais je développe les énergies renouvelables par la filière photovoltaïque. Je maintiens le parc nucléaire, mais je développe les énergies renouvelables par l'éolien en mer et sur terre. Donc, si vous avez une maison au bord de la mer, ben, tant pis, adieu la vue, hein, évidemment. voilà. Niveau N1, c'est nouveau réacteur, une paire tous les 5 ans à partir de 2035, développant des énergies renouvelables en même temps pour compenser le déclassement des réacteurs de deuxième génération. N2, nouveau réacteur, une paire tous les 3 ans à partir de 2035, montée en charge progressive, développement énergie renouvelable. Et le N3, qui est ma préférée, enfin, je ne sais pas, 50% nucléaire, 50% renouvelable, exploiter plus longtemps possible le parc nucléaire existant, développer de manière volontariste le nouveau nucléaire. D'accord ? Et donc, en fait, bon, quand même, il faut que vous sachiez que le nucléaire est un atout majeur de la France dans la lutte contre le changement climatique, en produisant une électricité très largement décarbonée. L'utilisation de l'électricité est pour le moment marginale dans le secteur des transports, 2% contre 91% pour les énergies fossiles. Il est minoritaire pour le chauffage des bâtiments, 16% contre 56% pour l'énergie fossile. D'accord. Alors, ce qui est très... Voilà, c'est un graphe qui est très parlant. Hein. La production électrique est à plus de 90% décarbonée en France grâce au nucléaire. Vous voyez à peu près la France ici. Et vous voyez que le nucléaire, c'est le vert. Vous voyez que chez nous, c'est beaucoup plus gros qu'ailleurs. Hein. Et puis, vous voyez la courbe. La courbe, c'est les émissions de CO2. Et vous voyez que nous, on contribue pour très peu. En fait, la France, regardez, c'est magnifique. En fait, on baisse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une économie en croissance et on baisse chaque année la consommation, les émissions de CO2. C'est quand même formidable d'arriver à un truc comme ça. Quoi. On l'a, la croissance. Enfin, on doit faire beaucoup mieux, mais on la tient quand même, vous voyez. Hein. Bon. Mais évidemment, bon, bref. Donc on est à 0,8%. Vous vous rendez compte que la contribution de la France aux émissions mondiales de CO2 est à 0,8% et en baisse de 1,7% entre 2005 et 2019. Vous voyez ? C'est ça que ça veut dire, le moins de 1,7%. Vous voyez, regardez, on est tout en bas. C'est quand même formidable. Hein ? Vous voyez, on est. C'est quand même bien. On est la sixième puissance mondiale et on est là. Regardez. Quand même, d'accord ? Alors là, il regarde les différents scénarios. Vous voyez, notamment le N03, voyez, et le N03, ça c'est le coût complet des différents scénarios. Et le moins coûteux, c'est le N03, quoi, c'est celui-là. Quoi. Le moins coûteux, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là le moins coûteux. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, on est très endetté. Je veux dire, ça doit compter quand même dans nos décisions. Hein. Voilà. Détail du coût total de chaque scénario, donc le N03, il est là, vous voyez, vous pouvez le décomposer en réseau, électriseur, batterie, photovoltaïque, éolien, etc., mais c'est le moins coûteux au total, hein. D'accord ? Alors, évidemment, il faut développer aussi les énergies renouvelables et d'autres sources d'énergie, il faut aller vers l'hydrogène, il faut continuer les investissements dans la fusion nucléaire par ailleurs, il faut développer le renouvelable et innover dans le... Donc, l'idée n'est pas du tout d'abandonner, on revient à ma problématique des énergies intermédiaires, il faut développer et maintenir le nucléaire, mais en même temps, inciter au développement des autres formes d'énergie. Et il faut faire les deux. Hein, voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est l'âge moyen des réacteurs. Donc effectivement, il augmente l'âge moyen. Il va falloir renouveler. Donc il va falloir certains réacteurs renouveler, créer de nouveaux réacteurs, en même temps qu'on développe d'autres sources d'énergie. Mais en gros, si vous voulez, le problème, c'est que la France, on a le problème suivant. Notre taux d'industrialisation est de 10%. On veut augmenter à 15-17, quoi, parce qu'on a trop désindustrialisé. Mais on veut le faire d'une manière verte. Et donc, on ne peut pas faire ça si on n'a pas le nucléaire avec le renouvelable. On ne peut pas. C'est-à-dire, on est obligé. Ou on renonce à l'industrialisation, ou on renonce à... Voilà. Mais on peut, et on peut le faire en développant les technologies vertes. Et ça paraît la voie la plus prometteuse. D'accord ? Donc, il y a différents paris dans tout ça. Les scénarios RTE que j'ai décrits, ils sont des scénarios à très haute part d'énergie renouvelable versus le scénario qui nécessite la prolongation des réacteurs nucléaires. Ils impliquent des paris technologiques plus ou moins lourds pour être en rendez-vous de la technologie carbone. Un scénario conservant une capacité de production nucléaire importante, associé à un développement conséquent des renouvelables, est de nature à limiter le risque de non-atteinte des objectifs climatiques.
C'est ça le truc. Hein. Donc, vous voyez que les risques faibles, plus c'est coloré clair, moins le risque est important. Et là, c'est les paris liés au développement des énergies renouvelables. Eh bien, si vous êtes dans le scénario N03, on pouvait avoir plus ou moins de chance en termes d'énergie renouvelable, mais vous êtes quand même assuré que vous atteignez votre objectif. Quoi. Après, on peut avoir beaucoup de chance, c'est-à-dire, tiens, tout d'un coup, les nouvelles énergies, tout d'un coup, la fusion nucléaire, dont on raconte toujours la même blague, que chaque année, on pense que c'est dans 40 ans, on peut avoir de la chance, mais on a fait quand même un truc on a minimisé les risques. Voilà. Donc, en résumé, il faut clarifier, homogénéiser la taxation du carbone. Pour éviter la fuite du carbone, il faut renforcer le mécanisme d'ajustement aux frontières. Les effets distributifs doivent être pris en compte. L'innovation verte technologique doit être favorisée. Le maintien du nucléaire à court et moyen terme est l'option la plus crédible en matière de transition énergétique. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là et vous remercier. Merci. Voilà.